Test, tu m'entends, Greg? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, c'est bon. Nickel. Ouais. Oh, bah, c'est parfait.
On a mis le chauffage. Il paraît que c'était le. Il manquait de gaz dans le circuit. D'après ce que François m'a dit tout à l'heure. Eh bien, écoutez, c'est 18h32. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Tout le monde est installé. Juste une petite info avant de faire l'appel. Donc, lundi dernier, lors de la conférence des maires, nous avons rendu hommage au président Valéry Giscard d'Estaing. Et ce soir, j'aimerais que l'on ait une pensée pour Josette Bonnet, conseillère communautaire, adjointe à la mairie de Roussillon, suite au décès de son époux. Donc, secrétaire de séance ici ce soir, si vous voulez bien, Isabelle Dugas, qui va procéder à l'appel. À savoir que sur le site de Roussillon, tableau, donc Robert Duranton présidera la séance du conseil communautaire. Je ne le vois pas, Robert. Ah oui, voilà, ça y est, parfait. Je suis caché derrière Gilles. Mais oui, l'embras de chemise, il a toujours une veste d'habitude. Allez, on écoute Isabelle pour l'appel. Merci. Bonsoir. Alors, je commence par Monsieur Christian Monterémar. Christian Monterémar. Présent. Présent, merci. Jean-Michel Dolphin. Présent. Jean-Michel Segui. Présent. Dorothée Zoborowski. Yannick Pack, qui est excusé, c'est ça? Béatrice Moulin-Martin. Yann Flamand est excusé. Annie Monnery. Kenan Solmaz. Christelle Grangeau. Christelle Grangeau. Elle n'est pas arrivée. Sébastien André. Présent. Elisabeth Thirode. Jean-Charles Malatray. Présent. Raymond de Coulot. Présente. Gilles Bonneton. Régis Vialatte. Jacques Garnier est excusé. Yann Béraud. Yann Béraud. Pas arrivé ou absent. Gabriel Girard. Excusez. Oui, bon. André Mondange. André Mondange. Ils n'entendent pas. Présent, il est là. Ah, d'accord. Delphine Albu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Présente. Hein. Thierry Darbon. Présent. Véronique Robergeau. Donne pouvoir à André Mondange. Humblot Jean-Paul. Présent. Sébastien Courion. Présent. Duga Isabelle, présente. Jean-François Pavoni. Présent. Gilbert Manin. Denis Merlin. Présent. Karel Augier. Excusez. Ah, d'accord. Laurent Eltis, Jean-Luc Durieux, Bernard Couder, Serge Mercier, Sylvie Desarnaud, Robert Duranton, présent. René Pay, Josette Bonnet doit être excusée peut-être. Donne pouvoir à René Pay. D'accord. Marc Rousseval, présent. Marie-Christine Hainaut. Présente. Gérard Boussard. Présent. Nathalie Linossier est excusée. Pouvoir. Donne pouvoir à Marie Hainaut. Marie-Christine Hainaut. D'accord.
Zerine Bataret, excusez. Elle arrivera en retard. Elle m'a demandé de l'excuser. Elle est en audience. D'accord. Laurent Teil. Présent. Nathalie Morel. Présente. Denis Chambon. Gérard Becht. Est-ce que Gérard est de nouveau parmi nous? Oui. Oui. Olivier Merlin. Présent. Sandrine Lecoutre. Frédéric Dessaignet. Axel Monterémar. Est-ce qu'Axel est là? D'accord. Philippe Gentil. Présent. Marie-France Libéraux. Louis Corradini. Christine Rabier. Claude Ruyère. Shushan Aïda. Michel Croix. Mushiro Robert. Mushiro Robert. Présent. Gilles Vial. Présent. Françoise Bugnazet. Françoise Bugnazet. Présente. Dominique Giraud. Présent. Dominique Giraud. Présent. C'est, ça s'est éteint. Il s'est éteint. Non, non, non. Présent. Elle est présente. Présente. Xavier Azopardi. Présent. Claude Lhermet. Monsieur Lhermet. Oui, Madame Dugas, présent. Merci. Jean-Marc Rey et Luc Sâtre. Alors, sont arrivés ici à Roussillon. Attends. Christelle. Grandjean. Et merci. Yann Béraud. Yann Béraud. D'accord. Et arrive Luc Sâtre. Tant mieux. Merci Isabelle. On va tout de suite vous interroger par rapport au PV du 23 octobre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce PV? Oui, Thierry Darbon du PH de Roussillon. J'aurais une remarque à faire à Madame la Présidente concernant le point sur l'extension des ouvertures des magasins le dimanche. Il y a eu un vote où il y a eu 3 contre, 6 abstentions. Vous nous avez demandé notre nom et notre prénom. Ils n'apparaissent pas sur le procès-verbal. Donc, on ne sait pas qui a voté contre, qui s'est abstenu. Il y a eu un débat. Je ne demande pas à ce que le débat soit retransmis par mot à mot, mais au moins de mettre, faire un compte-rendu synthétique du pourquoi on a voté contre. Merci. On vous entend pas là. Vous m'entendez? Voilà. Ça y est. Donc, concernant la remarque de M. Darbon, nous ferons un rectificatif sur le PV de ce soir, où l'on reviendra sur les votes, tous les votes qu'il y a eu au niveau du Conseil communautaire précédent, où il y a eu des abstentions et des contres, avec les noms des personnes qui se sont et abstenues et qui ont voté contre. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, parfait, Madame la Présidente. Il n'y a pas d'autres interrogations? Pas à Roussillon. Merci. Nous allons commencer notre ordre du jour. Je voudrais excuser Georges Aubry qui n'a pas pu être avec nous ce soir et que je rencontrerai donc mercredi dans 2 jours pour faire un point sur ce conseil communautaire. Et puis, à la fin du conseil, j'aimerais que les maires participants à l'action région sur les tests des dépistages nous disent chacun à leur tour quelques mots où, quand, les horaires, en plus bien entendu de l'appui technique d'Hébert pour la com, mais c'est bien aussi de vous donner la parole. Donc, si vous voulez bien, nous allons débuter ce conseil communautaire.
Vous avez eu les documents mardi dernier où l'on stipulait, comme précédemment, qu'il y aurait deux autres sites, l'espace à Roussillon et la salle du conseil à Beaurepaire. Eh bien, entre-temps, il y a eu des cas de Covid sur Beaurepaire, donc nous avons dû fermer la salle, si bien que ce soir, nous sommes donc répartis que sur deux sites, celui de l'espace à Roussillon et ici, celui de l'auditorium du conservatoire à Saint-Clair. Voilà, on s'adapte. Mais on s'adapte en fonction des événements qui arrivent au jour le jour, dirais-je. Vous rappelez que la séance est fermée au public du fait des règles du confinement et que la séance est retransmise en direct de la chaîne YouTube de Hébert avec le lien qui vous a été notifié. On demandera au service COM de nous faire un point pour savoir combien de personnes ont suivi le 23 octobre dernier, si c'est possible, je pense que oui, et combien auront suivi ce soir également pour nous donner une petite information. Je vous rappelle également que jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret 2020-1257 du 14 octobre dernier, le quorum est abaissé au tiers des membres en exercice du conseil communautaire présent et que chaque conseiller peut en outre être porteur de deux pouvoirs. Donc, si vous voulez bien, nous allons prendre tout de suite le premier point qui est le règlement du conseil communautaire. Donc, ce document a été vu et en bureau et en conférence des maires la semaine dernière. Il y a eu quelques petites remarques concernant le fait d'envoyer toutes les convocations sous forme dématérialisée, concernant également un nombre de 10 réunions minimum par mois pour le bureau élargi. Par an. Bon, excusez-moi, oui, par mois, ça va faire beaucoup. Je suis partie, voyez, hop, 10 par an. Et il y avait aussi une intervention de Denis Chambon concernant le questionnement sur pas plus de deux interventions par la même personne sur le même sujet. Voilà un petit peu les trois points, je dirais, qui ont été débattus sur ce règlement du Conseil communautaire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce point? Non, pas d'autres questions? Eh bien, je vais le mettre aux voix. Robert, tu procèdes à Roussillon? Qui serait contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est un vote à l'unanimité des présents. Merci Robert. Ici, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Sur le point 2, l'harmonisation de l'intérêt communautaire et des compétences de la communauté de communes. De même, ce dossier a été vu la première fois le 26 octobre en conférence des maires. Nous y sommes revenus à plusieurs reprises, aussi bien en bureau qu'en bureau élargi, concernant donc cette harmonisation. Je vais demander à Serge Rolt, ici présent, de faire un point technique et ensuite nous prendrons et les questions et nous passerons au vote sur ce point-là. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, en fait, ce point à l'ordre du jour, ça permet aussi de faire un rappel ou une information sur les statuts de l'intercommunalité. C'est un point que vous voyez aujourd'hui, puisqu'il fallait harmoniser les statuts des anciennes intercos du pays roussillonnais du territoire de Beaurepaire avant le 31 décembre de cette année. En sachant que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, entre guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez redéfinir l'intérêt communautaire, on verra après ce qu'il en est. Vous pouvez retirer des compétences et vous ne pouvez pas adapter certaines compétences, sans même en créer certaines. Donc ça veut dire que vous serez appelé au cours du premier trimestre 2021 à revoir les statuts et l'intérêt communautaire pour adapter des choses
qui sont à préciser. Alors, on en verra certaines au fur et à mesure de l'exposé. Après, au niveau des statuts, il y avait trois blocs de compétences. Les compétences obligatoires, qui sont citées par la loi, donc l'aménagement de l'espace, le développement économique, la GEMAPI, les déchets ménagers, les aires d'accueil des gens des voyages, l'eau, l'assainissement, des eaux usées. Et le mot des eaux usées a son importance, puisque quand la compétence avait été prise à l'époque par l'interco du pays roussillonnais, l'assainissement comprenait les eaux usées et les eaux pluviales. C'est la raison pour laquelle il y avait un retrait sur l'attribution des compensations des communes de l'ex-CPR des dépenses d'eau pluviale qu'elles n'avaient plus à supporter. Cependant, en cours de route, l'interprétation a changé. C'est-à-dire que maintenant, on distingue les eaux usées et les eaux pluviales. Donc, ça veut dire que début 2021, il faudra sécuriser la pratique actuelle et en intégrant les eaux pluviales comme une nouvelle compétence, officiellement dans les textes. Même si en pratique, aujourd'hui, c'est un petit peu discutable, on va dire. Donc, voilà pourquoi, pour certains cas de figure, vous aurez à revenir début 2021. Après, les statuts tels qu'ils ont été faits, il y a, à part les compétences obligatoires, vous avez les compétences optionnelles et les compétences autres. Alors, aujourd'hui, la distinction optionnelle et autres compétences n'existe plus en droit. Vous avez les compétences obligatoires et les autres compétences. Sauf qu'à l'intérieur des autres compétences, vous en avez certaines où vous définissez un intérêt communautaire. Et là où vous définissez l'intérêt communautaire, c'est en fait les anciennes compétences optionnelles. Donc la loi a changé, mais la pratique, en fait, elle est la même. Ça veut donc dire que vous avez deux choses à faire aujourd'hui. La première, c'est l'intérêt communautaire, les anciennes compétences optionnelles, pour faire simple, à synchroniser. Et après, la restitution éventuelle des compétences qu'il y avait sur les deux intercommunalités. Au niveau des compétences donc optionnelles, vous avez alors une première qui s'assimile, qui est un peu une exception, c'est la politique locale du commerce, qui se définit par un cadre général, c'est ce qui est en train de se défiler actuellement sous vos yeux, stratégie communautaire pour l'aménagement de l'économie commerciale, les dispositifs contractuels, soutien technique, les opérations présentant un intérêt destination commerciale. Donc vous avez ça et vous avez un listing des équipements commerciaux qui existent aujourd'hui, qui viennent en fait de l'ex-CCTB. Donc vous avez la liste par rapport à ça, plus les chèques cadeaux qui existaient sur Beaurepaire. Après, deuxième compétence optionnelle, qui est relativement simple, c'est l'environnement. Donc l'environnement, c'est pratiquement ce qui se faisait des deux côtés, sauf que le pays roussillonnais pratiquait, mais n'avait pas écrit la lutte contre l'ambroisie. Donc maintenant, c'est clarifié. La participation aux actions de contrôle de qualité de l'air, c'est en fait l'adhésion à Super, qui concerne maintenant tout le territoire, et le SMIRCLED, donc un syndicat que Laurent Taille connaît bien maintenant. Donc voilà pour cette partie environnement, pas de grosse révolution qui impacte là-dessus. Le logement, c'est encore plus simple, puisqu'en fait, des deux côtés, il y avait le PLH, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, hébergement d'urgence temporaire, octroi des garanties d'emprunt, relativement facile. Ça se compliquait avec la création, aménagement, entretien et de voirie. Alors, ce qui est tendu à tout le monde, pour certaines, ça ne changera pas grand-chose, c'est les voiries qui figurent sur les cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sont communautaires toutes les voiries qui figurent sur les cartes qui étaient annexées à l'envoi que vous avez eu. Mais en fait, c'était les voiries de l'ex-CPR et de l'ex-CTB. Il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Vous avez aussi donc toutes les pistes et bandes cyclables existantes ou à créer. Donc là, par contre, il n'y a pas de définition géographique. C'est toutes les pistes ou bandes cyclables. Et vous avez en fait également un troisième élément, des parcs et espaces de stationnement. Alors, pour certains, les gares ferroviaires, ça concernait que péage de Roussillon et Saint-Clair-du-Rhône, ce sont les deux gares ferroviaires qui existent. Pour les établissements scolaires du second degré, ça fait rajouter celui de Beaurepaire. Alors, en sachant que Beaurepaire, pour la petite histoire, c'est un des points que Sylvie notamment a vérifié, c'est l'histoire des terrains qui devaient être au département, mais qui en fait étaient à l'interco, qui vont être repassés au département. Donc en effet, suivant que les parkings seront dedans ou pas, ben, c'est le département ou l'interco qui les aura en gestion. Et puis le covoiturage également qui est intégré dedans. Après, au niveau des voiries, dans la mesure où les voiries restaient les mêmes dans l'état actuel des choses,
La seule question portait sur ce qui restait d'intérêt communautaire, c'est-à-dire les travaux qu'on pouvait y faire. Quand on prend ce que faisait la CPR et pas la CTB, vous retrouvez les signalisations, qu'elles soient avec les panneaux verticales, horizontales, le marquage au sol, les équipements de sécurité, l'entretien et les créations de trottoirs et stationnements. Vous aviez tout ça, plus les ouvrages d'art et plus ces parties de travaux, d'intervention qui interviennent sur les routes départementales dont l'entretien incombe aux communes quand on est en agglomération. En fait, c'est ce principe-là qu'il est proposé d'appliquer à tout le monde. Côté CTB, il y avait en plus le fauchage et l'élagage. Alors, dans un premier temps, c'était envisagé de l'étendre à tout le monde, mais autant ça ne pose pas trop de problèmes d'étendre les premières compétences à tout le monde, autant celle-là, ça posait deux types de questions. La première, c'est que sur le rendu des questionnaires qu'on a eu, il y avait visiblement des chiffres totalement différents, avec des échelles de 1 à 10, voire de 1 à 20, entre cette commune déclarée. Donc il y avait des grosses incertitudes sur les dépenses à prendre en compte. Et le deuxième élément qui était également, c'est que le fait de traiter ces questions à l'échelle communautaire fait qu'on passe des marchés forcément d'un certain niveau, et les entreprises du village, de la commune, qui en même temps faisaient le déneigement ou d'autres interventions, étaient exclues du circuit. C'est pour ça que la raison, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est que cette partie fauchage et élagage des bords des routes soit restituée aux communes. On verra après, donc pour l'ex-CCTB. On verra après les modalités que ça entraîne. Donc vous voyez là, c'est à peu près, ça recite ce que je vous ai indiqué. Et quand on prend l'intérêt communautaire, en fait, la bande de roulement, les trottoirs, les accotements des voies et les fossés, les aménagements de sécurité, les sections routières horizontales et verticales et les ouvrages d'art. Tout le reste n'y est pas. Le reste est ciblé, hein, nettoyage, déneigement. Alors, les travaux des réseaux, ils relèvent d'autres compétences quand c'est l'eau et l'assainissement, hein. Le fleurissement, l'embellissement, et donc le fauchage et l'élagage. Et la particularité pour les accotements, enfin pour les trottoirs, accotements et autres des routes départementales ou nationales qui sont en agglomération, le même principe s'applique. Pour la partie construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs. Alors, le libellé a son importance, vous voyez bien. On parle de construction, d'entretien, de fonctionnement, d'équipements culturels et sportifs ou d'équipements d'enseignement. Or, quand on prend les compétences telles qu'elles sont rédigées aujourd'hui, on va retrouver ces équipements-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le domaine sportif les gymnases des collèges. C'était ça, les trois gymnases qui sont communautaires. C'est les trois gymnases des collèges de Saint-Maurice, Salaise et Beaurepaire. Les trois piscines et une histoire ancienne avec la salle de gymnastique de Lédy. Donc tout ça, pas de souci. Et voyez après une série de petites compétences qui en fait n'ont rien à faire ici. C'est-à-dire que lorsque les statuts vont être bougés, ces compétences-là ne seront plus dans l'intérêt communautaire, elles seront dans les autres compétences. Ça explique aussi pourquoi il faudra redélibérer un peu plus tard. Des fois, c'est anecdotique, ça n'a pas d'importance pratique. Là, ce type d'extension à tout le territoire, bah, ça veut dire par exemple que si un club de natation d'athlétisme se crée sur l'ex-CTB, eh ben, il pourra prétendre au soutien technique et financier de l'Interco. Matière culturelle, on retrouve les mêmes principes. Hein. Et dans le domaine de matière de musique, donc on verra ce qui reste, après on verra ce qui a été enlevé. Ce qui reste, c'est la musique hors temps scolaire. Après, tout ce qui est lecture publique, tout ce qui est création culturelle et artistique et autres. Pour l'action sociale d'intérêt communautaire, on retrouve donc l'ancien nom, c'est le Dauphin Bleu, c'est le nom encore qu'on applique aujourd'hui. Et puis les soutiens financiers, les maisons des adolescents, ça c'était Trait d'Union. On va retrouver pour les garderies du périscolaire, elles sont identifiées, puisque la seule qui est concernée, c'est le pôle petite enfance de Beaurepaire. De même pour les CLSH, les seuls qui sont concernés, c'est ceux qui étaient concernés à l'époque, et maintenant encore pour la CTB, c'est-à-dire ceux qui sont gérés par l'île du Batoir et l'Eau Vive. Personnes en difficulté, vous trouvez le CPEF, les missions locales, les postes agents locaux d'insertion, aide aux victimes, conduite à risque, prévenir, ainsi de suite. Pour la politique de la ville, vous retrouvez les dimensions classiques de tout ce qui concerne la politique de la ville. Voilà, donc là, on a balayé rapidement tout ce qui est, en fait, c'est là-dessus que vous allez voter, et délibérer, c'est cet intérêt communautaire. Après, qu'est-ce qui était sorti de ça? C'est les éléments qu'on retrouve ici. Donc, vous allez retrouver des éléments qui n'ont pas d'utilité d'y être, dans un premier temps.
Le soutien financier au foyer des jeunes travailleurs, c'est en fait une subvention qui rentre aujourd'hui dans le cadre de l'UMIGE. Ce n'est pas la peine de le réécrire une deuxième fois. Les équipements qui n'existent pas aujourd'hui, ça ne sert à rien de les annoncer. Le jour où vous voulez créer une médiathèque, vous pourrez créer la médiathèque. Vous avez la compétence création d'équipements, ben vous direz je crée tel équipement à tel ou tel endroit. Ça ne sert à rien de le garder. Le CLIC, c'est quelque chose qui n'avait jamais été mis en place, pareil. Et tout ce qui est diagnostic, ce n'est pas grand intérêt. Enfin, en tout cas, de les inscrire. Participation financière, classe relais de l'éducation nationale, c'est quelque chose d'ancien qui n'avait pas été donc poursuivi. Le point d'accueil écoute jeune, vous pouvez très bien le mettre en place à un moment donné sans procéder à cela. Et après, vous trouvez encore les diagnostics à un moment donné au lieu d'information. Donc tous ces points-là, si l'Interco veut le mettre en place, il pourra le mettre en place. Ça ne sert à rien, ils sont dans les statuts. Côté XSFTB, on retrouve la dératisation, qui était en fait plutôt une mutualisation qu'autre chose. L'aménagement des zones dont l'Interco était propriétaire, ça c'est d'office, quand on est propriétaire d'une zone, forcément on peut l'aménager. Diagnostic social, on retrouve pareil. Les cours de gymnastique, ça on verra après ce que ça implique. Les veilles musicales également, dans les écoles élémentaires et maternelles, on verra aussi ce que ça implique. Là par contre, ça a une importance. Soutien aux actions pédagogiques décidées par le conseil communautaire, il n'y a pas besoin de délibération pour ça. Enseignement musical, non plus, puisqu'il y a le reste qui l'intègre. Et salimation culturelle et patrimoniale, le cinéma de Beaurepaire est cité. Si après vous voulez créer un autre site ou prendre un musée, vous pourrez le faire. Gestion d'équipement d'équipement public intercommunal, c'est pareil. Médiathèque tête de réseau, une création, vous pouvez toujours le faire après. Les locaux administratifs et leurs annexes, pareil. Vous retrouvez le retrait des fauchages et lagages des bords des voiries, l'équipement sportif des collèges. Donc, en fait, ceux qui ont une incidence, pour beaucoup de ce qui a été cité, il n'y a pas d'incidence pour les communes. Parce que l'Interco pourra très bien le faire par elle-même, et c'est elle qui le portera. Par contre, il y a trois éléments qui ont une importance, plus ou moins grande. Vous avez les cours de gymnastique d'entretien pour les morts des personnes âgées, c'est l'ASTA. Donc là, l'Interco finançait une dépense pour cette activité-là, minime, mais finançait une dépense. Donc cette dépense-là, cette activité va être rendue, mais l'argent sera rendu à la collectivité qui va le porter en même temps. On enlève, mais on rend l'argent. L'éveil musical dans les écoles élémentaires et maternelles, c'est un des points qui faisait le plus, qui interrogeait le plus. Le principe, donc, c'est que l'argent correspondant va être rendu aux communes, et les communes, avec cet argent, pourront avoir les mêmes prestations qu'elles faisaient à ce jour, sous forme de prestations de service. Donc là, le principe qui est retenu, qui sera proposé à la CLED, c'est de dire on est parti sur le nombre de semaines scolaires, une trentaine de semaines scolaires. Suivant les classes élémentaires ou maternelles, c'était 30 minutes ou 45 minutes par séance. On multiplie la durée par le nombre d'heures. À ce total-là, on applique le tarif horaire moyen de l'enseignement musical dans les écoles. Cette somme est rendue aux communes. En temps d'intervention, à part l'histoire de la classe orchestre de Jarcieux, qui est un autre cas de figure, pour tout ce qui est enseignement musical dans les écoles, c'est le nombre d'heures maximal qui est atteint à ce jour. Et sur le tarif, vous aurez en fait proposé de voter le tarif qui sera appliqué aux communes. Donc, vous allez retrouver le montant réel. En deux secondes. Pour le fauchage et l'élagage des abords des voies, là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va regarder le coût que ça représentait pour les communes, sûrement par un coût moyen. L'argent sera rendu aux communes pour qu'elles puissent faire ces travaux par elles-mêmes. Pour la musique, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'Interco, pour ceux pour lesquels c'était le cas, pour Père, c'était tous les cas, proposera les mêmes prestations, et sans discontinuer par rapport à ça. Alors, de manière juridique, ce sera l'ACLET qui aura à faire un rapport par rapport à ça, donner une estimation, mais les principes sur lesquels le bureau a déjà commencé à regarder, c'est ceux que je viens de vous exposer. Voilà, au niveau de l'intérêt communautaire, je suis allé assez vite, mais est-ce que vous avez des questions, cette première partie? Oui, il y a des questions en Roussillon. Oui, on vous écoute. Mandange, oui. André. Oui, je me posais la question, j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé sur la santé. Or, oui. On a un certain nombre de parts à la maison médicale de Beaurepaire. On a un plan local de santé à mettre en place. Et j'ai rien trouvé à ce sujet. Oui, alors le plan local de santé, en effet, il va se trouver appliqué.
Et la maison de santé, c'est déjà un équipement qui existe. Donc forcément, il rentre dans l'activité communautaire. Une autre question ? Oui, Claude Lermet. Oui, j'avais deux questions. Une sur les trottoirs. Il me semblait qu'on avait limité la largeur. Est-ce que ça doit être noté ou pas dans la prise en charge ? Oui, c'est une pratique, en effet. C'est qu'on considérait qu'il y avait la largeur suffisante pour que les piétons puissent passer. Et quand on était au-delà, bon, je ne sais plus si c'était la distance autour d'un mètre, ou je crois quelque chose comme ça. 1,40 m. En effet, le surplus revient à la charge des communes. Alors, pour répondre à Claude, ce n'était pas écrit dans les statuts, mais c'est la pratique qui était faite. Oui, mais voilà. Donc, c'était une question. La deuxième, c'est par rapport au retrait ou au rendu des fonds aux communes. Est-ce qu'on prend, mais c'est peut-être la CLED qui va y répondre, est-ce qu'on vérifie que cet argent ait bien été enlevé au moment de l'attribution de la compétence à la communauté de communes ? Plus simplement, s'il n'y a pas eu de reprise sur la C, est-ce qu'on rend malgré tout l'argent ? S'il n'y a pas eu de reprise sur la C ? Oui, si une compétence a été transférée, entre guillemets, gratuitement ou sans conséquences financières pour la commune, est-ce que là, si on lui rend la compétence, on lui rend l'argent que dépense aujourd'hui la communauté de communes, ce qui serait un double gain. Oui, c'est la CLED qui va le décider, ça. D'accord. Puisque la CLED va aller rechercher le premier transfert. Oui, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais en avoir confirmation. Voilà. Ok, merci. Et pour répondre, pour compléter pour André, la maison de santé pluridisciplinaire est une compétence, autre compétence, c'est-à-dire qu'on va la retrouver, mais dans les autres compétences. Par contre, le plan local de santé, c'est pas nécessaire de le mettre à l'intérieur. Si tu veux. Oui, effectivement, j'allais demander une réponse complémentaire, parce que si on doit mettre en place un plan local de santé, il n'est pas nécessaire que ça apparaisse dans les compétences communautaires. Non, parce qu'en fait, tu as l'échelle d'une compétence qui est communautaire et tout ce qui est études, c'est ce qui a été pratiqué souvent. Très souvent, les études ont été faites au niveau communautaire, y compris la petite enfance à l'époque, hein, quand ça avait été démarré au niveau de l'ex-CPR, alors que Borpère ne l'avait pas. Ce n'est pas forcément écrit dans les statuts. Et le plan local de santé, il a été lancé déjà, si tu veux, dans l'état actuel des choses. Il est déjà en cours. D'autres questions sur le site de Roussillon ? Oui. Oui, bonsoir à tous, Sébastien Courion. J'avais moi une question concernant l'exercice de la compétence défense extérieure contre l'incendie, puisque de mémoire, mais du coup, je voudrais déjà avoir confirmation, il me semble que cette compétence communautaire sur les communes de l'ex-CCTP est compétence communale sur l'ex-CCPR. Ouais. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvé ni dans l'harmonisation des compétences, ni dans la restitution aux communes, donc je voulais savoir ce qu'il en serait. Alors, c'est logique, Sébastien. Alors, c'est vrai que dans les autres compétences, vous avez eu dans le dossier ce qui était retiré comme compétence et pas ce qui avait été conservé. Et c'est vrai que, par contre, la note de synthèse indiquait que la compétence incendie était bien étendue à tout le territoire. La page 12 du rapport. C'est une petite ligne, hein. Il doit y avoir deux lignes. Hein. Voilà. C'est très court. C'est où ? Où c'est noté, on relèvera par ailleurs que l'harmonisation des compétences conservées a pour incidence d'étendre la compétence défense extérieure contre l'incendie aux communes de l'ex-CPPR. Ok, c'est merci, bon je n'avais pas vu la ligne, parfait. C'est pas grave. D'autres interrogations sur le site de Roussillon ? Non, pas à première vue. Ici, à Saint-Clair. Bon, c'est vrai que c'est un dossier que l'on a qu'on a travaillé depuis le 26 octobre. Donc, voilà, ça fait son chemin. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va procéder au vote. C'est-à-dire qu'on va se caler sur la proposition que vous a fait Serge au niveau technique. Est-ce qu'on fait deux votes séparés ou… Oui. Oui, plutôt. L'autre, on peut voter d'abord là-dessus. Oui, et on détaillera le deuxième point après. D'accord. Donc, on va voter sur le premier point de l'explication, qui est le point 2.1.
excusez-moi, moi j'avais avancé un petit peu plus. Concernant la définition de l'intérêt communautaire des compétences de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, comme nous l'a explicité Serge à l'instant. Donc, qui serait contre? Alors, attends, Roussillon, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? J'arrive pas. On peut prendre le nom pour le mettre dans le rapport et on le mettra dans le rapport. Bernard Coudert pour Pommier de Beaurepaire. Merci Bernard. Ici à Saint-Clair, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Donc ici, unanimité. Donc le point 2-2. Donc le point 2-2, là on est sur des compétences. La différence principale entre l'intérêt communautaire et les compétences, c'est que l'intérêt communautaire, c'est le conseil communautaire qui le fait bouger. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait un oubli quelque part sur un point d'intérêt communautaire ou quelque chose que vous vouliez enlever, il suffit de le mettre à l'ordre du jour du conseil communautaire qui suit, vous ayez les deux tiers des voix qui votent pour, c'est terminé. Par exemple, pour rajouter un équipement, pour l'enlever dans le domaine sportif ou culturel, c'est le conseil communautaire seul qui décide. Avec une majorité renforcée, hein, parce que deux tiers des voix, il faut quand même aller les chercher, mais c'est le conseil communautaire seul. Alors, quand on est sur le domaine de compétences, c'est différent. Les compétences, c'est la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes qui le décideront. Hein, vous savez, les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié des habitants, ou l'inverse, par rapport à ça. Donc, pour les compétences facultatives, donc, ce qu'on appelait comme ça à l'époque, maintenant c'était autre compétence de l'interco, ce qui vous est proposé, c'est de rendre des compétences aux communes. Alors, certains retours de compétences n'ont pas d'incidence. Ceux qui sont cités donc au bas de la page 11 de la note de synthèse. Alors, toujours pareil, hein, si vous voulez créer un cybercentre, ce sera toujours possible. Si vous voulez, la gestion des SIG, c'est plus la mutualisation de la gestion en interne qui se réalise, comme soutien technique, les points d'accès aux droits qu'on retrouve, les études pour la mise en place d'un plan de sauvegarde intercommunal. Vous pourrez toujours faire un plan de sauvegarde intercommunal, ce n'est pas nécessaire de le mettre dans les statuts. Là, on retrouve la phrase, ou pareil avec Dédé tout à l'heure qui était évoquée, mettre une phrase consistant à dire qu'on fait des études pour des politiques thématiques pour être mises en place dans le territoire communautaire, ça ne sert à rien, on peut le faire de droit. Donc, ça explique pourquoi on pouvait les faire sauter, celle-là. Et puis après, on a sorti également la trésorerie, la gendarmerie de la CCTB en proposition. Si on est laissé tel quel, il fallait prendre la trésorerie de Roussillon, les gendarmeries de Roussillon, de Saint-Clair et de Chana. Alors, vu que c'est des équipements, dans la trésorerie de Beaurepaire, la question se pose moins maintenant puisque les services sont partis, mais la gendarmerie, malgré tout, c'est un équipement dont il faut gérer le patrimoine foncier. C'est la raison pour laquelle c'était proposé en retour. Donc tout cela, ça ne posait pas de certaines questions. Par contre, il y en avait trois qui pouvaient poser des questions. Le développement des nouvelles technologies dans les écoles élémentaires et maternelles, alors qui était un peu compliqué à mettre en place à l'ensemble du territoire d'Hébert, en tout cas sur les impacts extrêmement forts, puisqu'en effet, les ordinateurs achetés dans les écoles, le temps de travail des techniciens qui assurent la maintenance, ça faisait un certain coût au niveau de Beaurepaire. À l'échelle d'Hébert, c'est multiplié par 4, moins par 4. Donc, voilà pourquoi la prudence a consisté à dire, dans un premier temps, on retire cette compétence-là, on rend l'argent pareil aux communes pour qu'elles puissent traiter ces dépenses, et après il y aura une réflexion qui sera amenée au niveau de l'interco pour voir comment l'interco se positionne et selon dans lesquelles conditions pour venir en assistance aux communes dans ce point-là comme dans d'autres. Là on est plus dans le domaine des prestations de services ou de la mutualisation des activités. Et après il y avait deux autres domaines d'intervention qui étaient historiques, qui avait été mis en place au début de du contrat local de sécurité par l'ex-SCPR. Alors, il y avait l'enlèvement des tags et des graffitis sur les bâtiments communaux. C'était quand même vraiment compliqué à gérer, parce qu'au fil du temps, on ne prenait que les tags et graffitis que les communes ne pouvaient pas enlever. Donc, ce qui fait que ça avait été limité très fortement. Tout le monde ne s'en servait pas non plus. Et puis, il y avait l'histoire de l'élimination des épaves de véhicules sur le domaine public. Là, le problème,
c'est que toute la partie administrative des épaves de véhicules, que ce soit fait par la police, les polices municipales, par les gendarmeries, par le pouvoir de police du maire, la gestion, l'interco était complètement à l'écart de ces questions-là. En fait, l'interco, la question se posait quand la facture arrivait. Et quand la facture arrivait, en fait, ça ne servait qu'à ça, l'interco, hein, payer la facture. Il fallait savoir si tout avait été fait comme il faut, notamment si le véhicule il avait bien été détruit ou s'il n'avait pas été revendu. Enfin, bref, c'était une situation qui était, qui était ingérable. Donc là, c'est le même principe hein, pour ces postes-là. C'est-à-dire que là, on regarde les dépenses qui ont été faites pour le compte des communes concernées et la CLET aura à proposer le remboursement des sommes correspondantes aux communes pour qu'elles gèrent ça. Donc, ce que vous n'aviez pas et qu'on a complété récemment, en fait, ça veut dire qu'il reste quoi dans notre compétence ? Tout le territoire, mais il reste tous les transports. Hein, bon, le transport tel que ça existe. Dans le service de lutte contre l'incendie, là, on retrouve la prise en charge des dépenses du SDIS, les soutiens financiers aux amicales des JSP, donc c'était déjà possible, et, donc pour répondre à Sébastien, la défense extérieure contre l'incendie, c'est-à-dire les hydrants pour l'essentiel ou les bâches. Activités scolaires et parascolaires, ah, vous voyez, c'est l'exemple typique où on peut être un peu piégé. Vous avez les participations financières obligatoires et conventionnelles pour les enfants scolarisés dans le secondaire en dehors du territoire communautaire. Conventionnel, des fois on mettait là-dedans les aides aux enfants qui partaient en séjour sur au moins trois journées, trois nuits plutôt. Donc ça, c'est écrit dans le secondaire. Pas de souci, ça couvre tout le territoire. Par contre, la compétence qui est derrière, soutien financier aux foyers et accessions mise scolaire du secondaire, Frédéric Mistral, Salais, Cité de Lédy. Il manque Jacques Brel. Il manque le collège de Beaurepaire et on ne peut pas le rajouter dans l'état actuel des choses. Parce qu'on ne peut pas rajouter quelque chose en compétence. On pourrait le faire au premier trimestre. Alors, en pratique, les subventions ont été versées, ça n'a pas été vérifié jusque-là, mais c'est un des exemples typiques où il faut se remettre en conformité pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Communication électronique, bon, ben ça c'est du classique, hein. C'était ce qu'il fallait faire pour gérer. Sécurité civile pour les risques industriels. Après, on avait les compétences qui étaient annexes à la GEMAPI. Le crématorium, avec la gestion donc sur Beaurepaire, et la maison de santé pluridisciplinaire. Donc, ce qui vous est proposé, en fait, c'est le retrait. Donc, ça, c'est ce qui vous reste hein, comme compétence. Et c'est surtout le point avant. Voilà, c'était les histoires de retrait qui étaient ici. Et donc, même principe, hein, je me répète, si la question avait été posée. Quand une commune perd par rapport à un transfert de compétences, la CLET intervient pour compenser les dépenses. Voilà de manière sommaire ce qu'on pouvait dire sur les transferts de compétences. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions sur le site de Roussillon ? Question ? Pas de questions ? Non. Ici, est-ce qu'il y a des questions ? Tout est très clair. Hein, tout ce qui est rendu CLECT qu'il faudra réunir et retravailler sur les compensations. Eh bien, Robert, tu mets aux voix sur le site de Roussillon. Sur Roussillon. Qui est contre ? Un. Pommier de Beaurepaire. Qui s'abstient ? Aucun. Ici, qui serait contre les éléments transmis par Serge ? Qui s'abstient ? Merci. Eh bien, tout de suite, on va prendre le point 3, qui est l'eau assainissement, et avec Jean-Charles Malatrait. Oui. Donc, c'est les transferts de compétences eau potable. Convention de mise à disposition des biens. Dans le cadre du transfert de la compétence eau potable, une convention de mise à disposition par les communes des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence doit être établie conformément au Code général des collectivités territoriales. Ces conventions de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert de la compétence eau potable au profit de la communauté de communes
valent procès-verbal au sens de l'article L1321-1 du CGCT. Les communes concernées sont celles de Saint-Alban-du-Rhône et des Roches-du-Condrieu. Donc, il est demandé au conseil communautaire d'approuver les conventions de mise à disposition des biens meubles et immeubles rattachés à la compétence eau potable avec les communes concernées, d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention avec chaque commune concernée ainsi que tout acte nécessaire à l'exécution de celle-ci. Merci Jean-Charles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Pas de questions, Roussillon. Alors tu continues parce qu'on a les je ferai voter à la fin des conventions. D'accord, on vote ensemble. Ok. Convention de mise à disposition des biens de la commune des Roches de Condrieu. Les extraits de la convention jointe à la note de synthèse relatif au descriptif des biens mis à disposition à la valeur comptable des biens concernés sont reproduits ci-dessous. Donc en construction, je cite juste les valeurs nettes comptables, au 31-12-2019, 10 932 euros, matériel et outillage spécifique d'exploitation, 12 625,94 euros. Autre, 483 153,16. Valeur comptable des biens. La valeur comptable des biens mis à disposition s'établit à, pour les biens mis à disposition, valeur d'origine, 695 918,20. Valeur nette comptable, 506 711,10. Pour les emprunts transférés, donc aucun emprunt transféré, pour les subventions transférées, valeur d'origine, 161 528,78. Valeur nette comptable, 130 923,82. Après, on continue. Le point 3 et 2. Convention de mise à disposition des biens de la commune de Saint-Alban-du-Rhône. Le détail de la mise à disposition des biens concerne la commune de Saint-Alban-du-Rhône et intégré à la délibération du conseil municipal du 10 mars 2020. Jointe à la note de synthèse. La valeur comptable des biens mis à disposition s'établit à, pour les biens mis à disposition, valeur d'origine, 677 614,55 euros. Valeur nette comptable, 273 700,77 euros. Pas d'emprunt transféré. Pour les subventions transférées, valeur d'origine, 26 540,45. Valeur nette comptable, 6 064. Merci Jean-Charles pour ce premier point concernant les deux conventions. Est-ce qu'il y a des questions sur ces conventions ? Pas de questions, Roussillon. Est-ce qu'il y a des questions ici à Saint-Clair ? Non, on passe au vote, s'il te plaît, Robert. Qui est contre ? Personne ? Qui s'abstient ? Personne ? Merci. Ici, sur Saint-Clair, qui serait contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Jean-Charles, le transfert compétence eau, le point 3.2. Voilà. Dans le cadre du transfert de la compétence eau à Hébert au 1er janvier 2020, il importe de procéder au transfert des résultats des budgets eau des collectivités précédemment détentrices de la compétence. Les résultats 2019 des budgets eau des trois syndicats intercommunaux, donc il y a le CIJARP, le syndicat des eaux de Beaurepaire, le syndicat de Lonvarez, ont été intégralement renversés au budget d'Hébert. Ces reversements concernent le fait une majorité de communes d'Hébert. À ce jour, ils n'ont pas été traités, les reversements des résultats eau relevant des deux syndicats mixtes Saint-Clair-Saint-Prince-Chaunat et de Gerbet-Bourassonne, dont l'activité se poursuit et dont les communes adhérentes ne sont de ce fait pas concernées par le reversement de la commune de Saint-Alban-du-Rhône et de la commune des Roches-de-Condrieu.
Le présent point de l'ordre du jour concerne donc deux communes, Saint-Alban-du-Rhône et les Roches-de-Condrieu. Donc après, c'est le point 3-2-1, transfert des résultats au de la commune de Saint-Alban-du-Rhône. Lors du vote du conseil administratif, du CA du compte administratif 2019 du budget eau de la commune de Saint-Alban-du-Rhône, le conseil municipal a constaté un excédent de fonctionnement de 4 519,35 € et un excédent d'investissement de 162 646,56 €. Ainsi qu'un crédit TVA de 12 080 €, avec établissement d'une demande de remboursement de ce crédit. Donc, par délibération du 10 mars 2020, le conseil municipal de Saint-Alban-du-Rhône a, du fait d'importants travaux d'aménagement du centre-bourg, a décidé de conserver une partie de cet excédent et de transférer uniquement 100 000 € à Hébert. Le conseil communautaire est appelé à délibérer sur le transfert des résultats 2019 du budget eau de Saint-Alban-du-Rhône, tel qu'indiqué ci-dessous, afin de permettre l'intégration dans leur budget primitif 2020 du budget eau d'Hébert. Voilà. On continue. Donc ça, oui, continue, on fera les si possible, ouais, on fera le vote après, parce que ça, c'est des régularisations. Hein. Donc, transfert des résultats eau de la commune des Roches-de-Condrieu. Lors du vote du compte administratif 2019 du budget eau de la commune des Roches-de-Condrieu, le conseil municipal a constaté un excédent de fonctionnement de 145 070,66 et un excédent d'investissement de 16 660,28. Par délibération du conseil municipal du 15 janvier 2020, il a été acté la clôture du budget annexe au 31 décembre 2019 suite au transfert de la compétence eau à Hébert et approuvé la reprise de ses résultats dans son budget général. Le conseil municipal des Roches-de-Condrieu doit se prononcer d'ici la fin de l'année sur le transfert de l'intégralité de ces deux résultats au budget d'eau d'Hébert. Le conseil communautaire est appelé à délibérer sur le transfert de l'excédent de fonctionnement de 145 070,66 et de l'excédent d'investissement de 16 660,28 afin de permettre leur intégration dans le budget primitif 2020 du budget d'eau Hébert. Merci Jean-Charles. Est-ce que on va passer au vote pour ces deux points. Est-ce que sur Roussillon, il y a des questions? Non, pas de questions. Isabelle? Oui, je voudrais simplement faire une vérification au niveau de la TVA restituée. Oui. Nous n'en avons pas parlé la dernière fois en bureau. Or, je sais que la somme a déjà été encaissée par Hébert. Il faudra peut-être vérifier ça. Et moi, je n'en ai pas tenu compte non plus dans ma délibération. Je viens de le réaliser en entendant les chiffres de Saint-Alban. Laurent Gouillou m'avait prévenu que vous aviez encaissé la somme qui fait 10 000 et quelques euros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaiterais qu'on vote les deux choses séparément, les deux communes séparément. Ah ben ça, moi, je ne peux pas répondre. Là. Je ne sais pas. La TVA, je ne peux pas répondre. On te répondra, mais bon. On amènera l'élément de réponse à voilà. Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces deux points? Donc, un vote séparé est demandé. Donc, on va faire un vote séparé. On va commencer par le transfert des résultats eau de la commune de Saint-Alban-du-Rhône. Robert? À Roussillon, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Madame Grangeau. Qui serait contre ici? Ah, il y a trois contre. Alors, Isabelle, Claude.
Le contre, c'est le fait qu'il ait gardé l'argent. Qui s'abstient ? Mais comment c'est pas ? Merci. Sur le point 3.2.2 concernant le transfert des résultats eau pour la commune des Roches de Condrieu, Robert. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. On les a perdus. Il y a quelque chose qui te chagrine. Tu synthétises, comme je vois qu'il y a beaucoup de tableaux, on les a tous sous les yeux, donc je te laisse la parole. En fait, c'est des régularisations. On ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Ça y est. Merci. Donc, je disais, le point 3.3 concernant la régie des eaux avec les tarifs au 1er janvier 2021. Et je disais à Jean-Charles, vu que nous avons tous les tableaux sous les yeux, de faire synthétique. Voilà, à toi Jean-Charles. D'accord, bon. Donc, ça, c'est le tarif eau 2021. Donc, il y a reconduite de la part du prélèvement là, 0,1%. Ça, c'est pour l'agence de bassin. Hein. 0,1 euro. 10 centimes d'euros. Voilà. Enfin, ça fait des sommes parce qu'on paye 1,5 million d'euros, je crois, par an à l'agence de bassin, hein, en tout. Après, reconduite donc des tarifs par fixe à l'identique pour l'année 2021, avec une proportionnalité suivant le diamètre du compteur. Bon, pour la plupart des particuliers, la part fixe est 36,28 €. Voilà. Après, le reste. Ça grossit avec le diamètre du compteur. Donc, faire évoluer les parts variables de chaque commune selon le tableau ci-dessous, il est mis en place un lissage progressif vers un tarif unique en 2028. Voilà, vous avez le tableau, donc il y a des pourcentages, c'est important. Toujours pareil, la part fixe qui est indiquée, mais par contre, le prix de l'eau, il varie. Certains baissent, certains augmentent. Donc, vous poserez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on passe donc au tarif redevance assainissement collectif. Il est proposé au conseil communautaire, conformément à l'avis du conseil de régie du 3 novembre dernier, de fixer comme suit les tarifs de la redevance assainissement collectif qui entreront en vigueur au 1er janvier 2021. Voilà, c'est pareil. Il y a une part fixe avec une part variable. Ce qui est intéressant, c'est les pourcentages, les variations. Donc, je passe au point 3.3, organisation, services et tarifs entretien, assainissement non collectif. Il est proposé au conseil communautaire de reconduire le service entretien mis en place au syndicat mixte de Lonvarèze, avec une entreprise du secteur, hein, l'entreprise Dumont, et permettant aux abonnés du service assainissement non collectif de solliciter au Haute-Bièvre-et-Rhône pour l'entretien de leur installation d'ANC. Au travers d'un bon de commande basé sur les tarifs ci-dessous, abonné demandant l'entretien de son système. Grâce à un marché signé avec le prestataire, le service lui propose une date d'intervention regroupée à plusieurs permettant de bénéficier de tarifs et de prestations définis par Haute-Bièvre-et-Rhône. Il est donc proposé au conseil communautaire d'organiser, comme indiqué ci-dessus, le service entretien de l'ANC et de fixer, conformément à l'avis du conseil de régie du 3 novembre dernier, comme suit les tarifs. Alors donc, c'est en détail, là, tous les tarifs. C'est d'ailleurs une convention qui est très intéressante pour les particuliers. C'est pour ça que Hébert a pris exemple sur Delon-Varèze. Après, on passe autre tarif. Il est proposé au conseil communautaire, conformément à l'avis du conseil de régie du 3 novembre, de ne pas apporter de modification au tarif suivant. Tarif assainissement non collectif.
Donc, il y a un dû chaque année, une facture de 18 euros qui est envoyée aux particuliers qui sont à l'assainissement non collectif. Tarif sous-produit assainissement, c'est-à-dire les graisses, les sables, les déchets verts, les vidanges de fosses septiques, enfin de fosses toutes eaux. Tarif de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, ça c'est pour le raccordement. Donc c'est 2200 euros pour tous. Bordereau des prix pour travaux de la régie et régie d'assainissement, donc ils sont joints, hein, en pièce jointe. Tarif contrôle d'assainissement collectif, il est à 126 euros, il ne bouge pas. Voilà. Règlement du service public d'assainissement non collectif, le conseil communautaire est appelé à approuver, après avis favorable du conseil d'exploitation de la régie, dans ses réunions du 3 et 17 novembre, le règlement du service public d'assainissement non collectif, établi sur la base des règlements antérieurs de la régie d'assainissement CCPR et Delon Varèze, document joint l'un d'autre de synthèse. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon, voilà, il a été bien étudié. Merci Jean-Charles. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces points concernant les tarifs pas de questions non plus ici à Saint-Clair. Est-ce qu'il faut faire un vote séparé, Serge, sur chaque point ou on peut mettre les trois tarifs ensemble? Pardon, j'ai pas entendu. Mais... Non. Ou alors on va prendre peut-être un par un parce que c'est plus sûr. Donc, sur la présentation que vous a fait Jean-Charles, on passe au vote, Robert, en faisant des votes séparés pour tous les tarifs. Oh, donc, oui. Le premier tarif, c'est la redevance. Je ne sais pas de bêtises. Est-ce qu'il y a, redevance eau. On peut demander s'il y a des gens qui sont contre le fait de voter tout d'un coup. Ah, toi, tu veux aller direct, hein, tu es pressé. Non, mais... Ça sera aussi non. Vite fait, on perd du temps à papoter. Bah, pose la question. Est-ce que quelqu'un est contre le fait de voter toutes les trois tarifs. Tous les tarifs ensemble? Ici, non. Ici aussi, non plus. Pas de soucis. Donc, pour Roussillon, qui est contre? Personne? Qui s'abstient? Personne. Merci Robert. Donc qui est contre pour les trois tarifs au 1er janvier 2021? Qui s'abstient? Merci à vous. Donc le vote du règlement du service public d'assainissement non collectif. Robert? Qui est contre aussi? Personne. Qui s'abstient? Personne. Merci. Ici, qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Eh bien, on passe au point 4, finances, et c'est Robert. Donc là, c'est le budget annexe de la redevance incitative, donc la subvention d'équilibre du budget général. Donc le réalisé du budget annexe de la redevance incitative fait ressortir un besoin de financement de 110 000 euros. Donc, le budget de la redevance incitative doit s'équilibrer. Donc, on a besoin d'une subvention exceptionnelle qui doit être motivée. Donc, elle est motivée par trois points. Le constat que le déficit constaté provient d'une inadéquation entre le coût du service et le montant de la redevance perçue. Et deuxième point, remboursement de la subvention perçue au budget général par tiers sur les exercices 2021-22-23. Donc, Hébert dispose d'une durée de 5 ans à compter de la fusion des deux EPCI pour harmoniser à l'échelle du territoire. Et troisième point, le financement du remboursement de la subvention du budget général par le relèvement des tarifs de la redevance incitative qui n'ont pas évolué depuis 2017. Donc là, vous avez donc la décision modificative qui en découle avec des dépenses de 110 000 euros. Que vous avez dans le tableau et des recettes à l'identique. Donc là, il faut qu'on vote sur ce point tout d'abord. Est-ce qu'il y a des questions?
pas à Roussillon. On ne les entend plus. Pas de question à Saint-Clair non plus. Bon, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ici à Saint-Clair ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 4-2, Robert. Donc la DM2 sur le budget rattaché à l'eau. Hein. Donc là, c'est un équilibre qui est fait entre le fonctionnement avec, et l'investissement. Donc en fonctionnement, on a d'abord des dépenses de 145 000 euros et des recettes à l'identique. Et pour les investissements, donc des dépenses à 55 000 et des recettes à 55 000 euros. Donc, vous avez le détail derrière de ce qui est fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas à Roussillon. Des questions à Saint-Clair ? Non plus. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Robert, le point 4-3. Donc là, le budget est rattaché à l'assainissement, donc là, c'est la DM3, où là, nous avons un équilibre donc, dans le fonctionnement entre la diminution des crédits et l'augmentation des crédits pour 89 000 euros, et en investissement, un équilibre dans la diminution des crédits pour 55 000 euros et une augmentation de crédit à l'identique à 55 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas à Roussillon. Des questions à Saint-Clair ? Non plus. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 4-4. Donc là, c'est le budget annexe RN7, Louz, Clos du Curtil, Les Bruyères, La Croix. Donc c'est la DM1. Donc, une DM1 qui est caractérisée par des dépenses de fonctionnement de moins 155 000 en subvention Hubert et en stock de fin d'année de plus 155 000, ce qui fait zéro. Et pour les investissements, un stock fin d'année de plus 155 000 et de moins 155 000, ce qui fait zéro. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, une observation de Gilles. Oui, juste une observation puisque... Oui, pardon. Juste une observation concernant les terrains et les acquisitions foncières qui n'ont pas eu lieu sur les Nèves, qui s'élèvent à 2 millions. Pour rappeler simplement, c'est juste une observation, que la commune les avait achetés 3 millions et que s'il y a une dépréciation du prix, c'est effectivement qu'on a eu des ennuis avec notre rivière, la Sanne. Un PPRI en cours qui explique un petit peu cette dépréciation. Mais j'espère bien qu'avec le travail qui se fait au niveau des services de l'État, on soit dans l'avenir en capacité de bien se protéger et d'à nouveau avoir un PPRI qui soit conforme à nos exigences et au développement du territoire pour qu'ainsi on puisse revenir sur des prix raisonnables, ceux notamment auxquels la commune les a achetés. Voilà, c'était juste une observation. Merci Gilles. Pas d'autres questions à Roussillon ? Est-ce qu'il y a des questions à Saint-Clair ? Non. Donc, qui est contre Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci, Robert. Ici, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Donc, le point 4-5. Donc là, c'est le budget annexe Rhône-Varèze avec une décision modificative numéro 1. Donc là, c'est qu'on a une augmentation des dépenses de fonctionnement de 6 000 euros pour les taxes foncières et une dotation aux amortissements de 5 000 euros, ce qui fait un virement de moins 11 000 euros à la section d'investissement. Et dans les dépenses d'investissement, dans l'achat de terrain, on a moins 6 000 euros. Ce qui fait un total de moins 6 000 euros en dépenses. Et en recettes, les 11 000 euros
du virement de la section de fonctionnement de moins 11 000 et plus 5 000 de voirie de tout à l'heure, ce qui nous fait moins 6 000 euros. Pas de questions à Roussillon ? Pas de questions non plus pour nous. Qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Contre ? Abstention ? Merci à vous. Le point 4-6. Donc, c'est le budget annexe tourisme avec une décision modificative numéro 2, où là, nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont augmentées de 80 000 euros et qui sont compensées par des recettes de l'ordre de 80 000 euros et en investissement, donc des dépenses à hauteur de 60 000 euros compensées par des recettes de 60 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions à Roussillon ? Non. Question à Sinclair ? Non plus. Qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Contre ? Abstention ? Merci à vous. Le point 4-7. Donc là, nous arrivons au budget général avec la DM3. Donc là, où les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 46 000 euros et les recettes de la même somme, donc de 46 000 euros, ce qui fait un équilibre. Et en investissement, nous avons une dépense d'investissement de 265 000 euros supplémentaires et des recettes à l'identique de 165 000, ce qui fait que nous avons un équilibre. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions à Roussillon ? Pas de questions non plus à Sinclair. Qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Ici, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Le point 4-8. Donc là, sur le 4-8, ce sont les autorisations d'engagement des dépenses d'investissement avant qu'on vote le budget 2021. Donc là, c'est comme chaque année, hein, on ouvre des crédits et ces crédits sont ouverts dans le quart des crédits de l'année précédente. Donc, les dépenses, on les peut aller jusqu'à 25% de ce qui avait été dépensé par catégorie. Donc, vous avez le tableau qui est à la page derrière, ce qui fait que pour 3 532 800 de OBP 2020, moins les décisions modificatives de 5009, ça nous amène à des ouvertures de crédit possibles de 881 716. Pour le budget de l'eau, hein. Oui. C'est le 4-8, hein, c'est le budget de l'eau. Oui. Et ensuite, il y a la même chose pour l'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'eau ? On n'a pas pris l'eau. Bon. Pas de questions aussi, hein. Des questions ici ? Qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Qui est contre à Sinclair ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Donc pour l'assainissement, maintenant, Robert. Alors, même principe sur les autorisations d'engagement, à 25% par rapport aux 6 408 000 qui étaient engagés dans le BP et les modifications de moins 21 000, ce qui fait qu'il reste en ouverture de crédit une possibilité d'un 1 596 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions à Roussillon. Question à Sinclair.
Pas de question. Qui est contre à Roussillon? Personne. Qui s'abstient? Personne. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous, merci Robert pour toutes ces décisions modificatives. Et on passe au point 5, les déchets ménagers. Donc avec, est-ce qu'Axel est arrivé? Oui. Ah, mais les... Bonsoir tout le monde. Je cherche. Allez, Axel, à toi. Hein, je ne touche pas. Alors, le tarif de la redevance incitative à compter 2021. Donc, comme l'a dit Robert, on avait besoin d'argent sur la redevance incitative. Il manquait 110 000 euros. Donc, on a voté l'ADM. Merci. On a fait des hypothèses budgétaires. Donc, on a minoré le montant des impayés de 15 000 euros par rapport à l'hypothèse initiale. Remboursement, la subvention que Robert, des 110 000 euros, a fait voter, on doit la rembourser sur les 3 années. Donc, est intégrée au budget. Il y a une inflation de 1%, l'augmentation du marché de collecte de plus de 7% par an, la stabilisation des flux collectés en déchetterie, le contrat de gardiennage aussi qui va être sur 6 mois en 2021 et non renouvelé les années suivantes. Le personnel, pas de création de poste, recours à des CDD ou intérim pour les remplacements et hausse de 2% par an. Pas de hausse hormis la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes. Du coup d'enfouissement et pas d'évolution des recettes hormis l'arrêt au milieu, la redevance. Donc l'hypothèse de construction des tarifs, on garde le ratio actuel entre la part fixe et la part variable, c'est-à-dire 80% de part fixe et 20% de part variable. Voilà, donc là on vous a affiché le nouveau tarif avec l'augmentation de 9% qui est nécessaire pour équilibrer le budget. Voilà, donc vous avez tous les bacs. Merci. Ensuite, on peut-être fait point par point parce qu'après c'est plutôt le règlement. Il y a aussi les il y a pas de modification par contre pour les sacs estampillés Hébert, ni sur l'accès en déchetterie et pour les tarifs des pneus aussi, les pneus agraires des tracteurs. Voilà, pas de modification sur ces tarifs-là. Merci Axel. Donc sur ce premier point, est-ce qu'il y a des questions? À Roussillon. On les a perdus. Pas de question. Pas de question, merci. Question ici à Saint-Clair. Pas de question. Qui est contre à Roussillon? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Merci. Qui est contre ici à Saint-Clair? Qui s'abstient? Merci à vous. Le point 5.2, Axel. Si on peut afficher. Le règlement. Donc le règlement de la redevance incitative, donc vous l'avez en annexe, normalement. Donc avec les corrections indiquées en rouge, effectivement. Donc. Donc au niveau des modifications, notamment, on a instauré une caution pour les bacs, une caution qu'on a fixée à 100 euros, qui sera réglée en 2 fois sur les 2 factures annuelles. Voilà, donc c'est uniquement pour les nouveaux arrivants qui demandent un bac. Donc l'objectif, c'est de limiter les créances, la mise en non-valeur. Cette année, ça a été 60 000 euros. L'objectif étant de passer à 45 000 euros. Donc le tri sélectif, on a rappelé qu'il se faisait au point d'apport volontaire. Les déchetteries sont réservées aux particuliers. Les bacs d'ordures ménagères doivent être collectés fermés aussi. Ça, on voit trop de dérives là-dessus. Aussi, on se donne la possibilité de réévaluer la capacité des bacs débordants régulièrement. On a rappelé les sanctions aussi pour les dépôts sauvages qui sont de la police du maire. Voilà, donc après, on rendra la caution à l'arrêt du contrat et à la remise du bac en bon état au service technique de la redevance. Et si, par contre, s'il n'y a pas de remise du bac et de la caution, la facturation continuera. Voilà, donc
La grosse nouveauté, c'est cette fameuse caution qui n'était pas spécifiée précédemment. Merci Axel. Des questions à Roussillon ? Oui, une question. C'est qui s'occupe de la réparation des bacs quand ils sont cassés parce que les véhicules sont trop violents ? Les véhicules sont trop violents. Ouais, quand tu bascules les bacs, y en a certains qui ne sont pas obligatoirement de très bonne qualité et ça les casse. Mais il faut revenir vers le pôle de bord pair qui doit après faire le nécessaire au niveau des services D'accord. techniques pour le Donc faire changer. C'est la communauté de communes qui s'occupe de la Oui, bien sûr. Remplacement. Merci. C'est qui a J'ai parlé qui là parlé. Parce que c'est tout dépend. C'est Azopardi. Azopardi. Alors, donc, M. Azopardi, donc, oui, c'est sur vos repères, c'est ça ? C'est quelle commune, M. Azopardi ? Oui. Allez, sur Seine. Alors, attention, il y a deux choses différentes. Il y a le service RI au niveau de l'est du territoire et un service différent au niveau de l'ouest du territoire. Donc, pour l'ouest du territoire, on fera également remarquer votre intervention. Mais ce sont des bacs Hébert, donc il faut contacter voilà, le service. Soit au bord pair, soit à Saint-Maurice. Là, plutôt Saint-Maurice pour vous. La question, elle était si les bacs sont détruits par un accident ou un incident, qui paye ? La communauté de communes, mais on se rapproche suivant où on habite, on se rapproche soit sur les services Hébert à Saint-Maurice, voilà. soit sur les services Hébert à Beaurepaire. Voilà. D'autres questions ? C'est bon. Une autre question ? Oui, moi, j'ai peut-être zappé ça la dernière fois. Je suis Yann Béraud. Yann Béraud. J'ai peut-être zappé ça la dernière fois. La caution de 100 euros, elle est pour les nouveaux adhérents ou les nouveaux arrivants. Elle n'est pas pour. Oui. Non, elle ne sera pas prélevée sur les factures des bacs existants. Mais on a trop de problèmes de factures impayées, de factures qui continuent, qui courent. Et tant qu'il y avait une caution de 30 euros qui était appliquée, mais qui n'était pas écrite dans le règlement, et on s'aperçoit que 30 euros, les gens ne ramènent pas le bac. Ils s'en fichent. Donc on a monté cette caution pour rendre le. Enfin, ils se sentent obligés de le ramener pour récupérer ces 100 euros. Et derrière, non, pour arrêter la facturation, et il y aura un service beaucoup mieux géré. D'autres questions, Roussillon ? Non, est-ce qu'il y a des questions ici ? Pas de questions ? Non, pas de questions. Non, eh bien, on passe au vote pour ce règlement. Qui est contre ce règlement, Roussillon ? Personne ? Qui s'abstient ? Personne ? Merci Robert. Qui est contre ici ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Le point 6, enfance jeunesse. On va commencer par Jean-Michel. Allez, on est dans le cadre de la compétence enfance jeunesse. Donc on a vu que c'était une compétence qui était exercée sur l'ex-territoire de Beaurepaire. Donc ce soir, on va vous parler de deux conventions que l'on doit renouveler. Donc je vais vous présenter celle de l'île Vibatoire et puis Sandrine vous présentera celle de l'eau vive. Donc là, on doit se prononcer donc, sur la convention, renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens donc, entre le centre social de l'île Vibatoire et puis Hébert pour les années 2021 et 2022. Pourquoi 2021-2022 ? C'est pour se caler sur le contrat enfant-jeunesse qui est signé avec la CAF jusqu'à fin 2022. Donc voilà, vous avez la convention. Je vais synthétiser, je ne vais pas toute la relire. Je pourrai répondre à vos questions. Donc le territoire d'intervention, donc les communes de l'ex-territoire de Beaurepaire, avec des accueils sur Beaurepaire et trois accueils délocalisés,
donc actuellement sur les communes de Bellegarde, Poussieux, Revel-Tournant et Pisieux, mais ça peut évoluer au niveau des communes en fonction des demandes de ces communes. Voilà, donc sur la convention, donc, on vous précise les différents projets et les actions qui sont financées, dont certaines par Hébert. Je vais aller directement à l'aspect financier. Donc sur 2020, on avait une participation d'Hébert de 451 488 euros. On passerait donc sur 2021 à 465 410 euros et à 469 844 euros sur 2022. Donc la progression hormis l'inflation et l'augmentation des salaires. Donc la progression provient de la création d'un nouveau poste, un poste animateur jeunesse qui est financé par ailleurs par la caisse allocation familiale à hauteur de 65%. Et c'est un financement de la caisse allocation familiale qui est pérenne. Contrairement au contrat enfin, jeunesse qui n'est pas pérenne, là ça rentre dans vraiment l'animation globale du centre social, c'est contractualisé avec la CAF. Donc au titre du contrat enfant jeunesse, Hébert perçoit directement sur son budget donc une subvention de 73 078,53 euros en 2020. Donc, et il y aura ce même montant sur 2021 et 2022. Donc si on déduit donc ce qu'on perçoit, le reste à charge pour Hébert sera donc de 392 331,47 euros pour 2021 et 396 765,47 euros pour 2022. À la demande de certains membres du bureau, on a rajouté une petite phrase. Si des fois, par moment, donc, la CAF applique ce qu'on appelle une réfaction, en fait, si des actions n'ont pas été menées à bien, si le nombre d'heures réalisées a été contractualisé avec la caisse d'allocation familiale, n'a pas été réalisé, la CAF peut appliquer ce qu'on appelle une sorte de décote. Donc on a rajouté dans la convention comme quoi la participation d'Hébert pourra être ajustée en fin d'année en fonction de la somme perçue réellement au titre du contrat enfant jeunesse, qui serait du fait de la structure. Hein. Effectivement, si c'est dû au Covid ou je ne sais quoi d'autre, voilà, ça ne serait pas retiré à la structure, quoi. Puis de la même manière, si elle a engagé des frais et qu'elle n'a pas eu le résultat escompté, ça serait quand même difficile de retirer à la structure cette somme-là. Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre. Une question de Claude Lermet. Oui, Jean-Michel, c'est moi qui avais posé cette question déjà au bureau. Alors, je reconnais que la phrase ne me convient pas. Je suis désolé, mais on n'a pas, nous, à se substituer à la CAF si la CAF ne règle pas pour des raisons quelles qu'elles soient. C'est de la responsabilité du centre social. Il assume ce qu'il fait. Et je ne vois pas pourquoi, nous, on irait compléter ce que la CAF ne verse pas. On ne le fait pas, nous, dans nos communes. Enfin, peut-être que dans d'autres communes, vous le faites. Nous, au centre, au fil de l'Ambre, on ne le fait pas. Et je trouve que ce système implique une distorsion entre les centres sociaux qui n'est pas logique. Voilà. Donc, je voterai contre si cette phrase reste. La phrase, justement, elle permet de déduire. Non, mais Jean-Michel, la phrase telle qu'elle a été tournée, on comprend le contraire de ce que tu as voulu mettre. Oui, alors que c'est le contraire qui a été mis. Oui, alors peut-être qu'il faudrait mettre. En cas de réfaction de la CAF, la somme sera déduite. Non. La subvention sera déduite. Non. Pourra être réajusté, mais peut-être qu'il faut marquer pourra être réajusté en plus ou en moins, parce que peut-être que ça peut être en plus aussi. Ça ne peut pas être en plus. Hein.
Robert, il sert. Hein. Voilà, pourra être réajusté. En fait, c'est ce que voilà, c'est peut-être la tournure de phrase qui, enfin, pour moi, elle me semblait réajustée. Ça veut dire qu'on, eh ben, qu'on rééquilibre en fait. Oui, Claude. Oui, réajuster, ça veut dire qu'on rééquilibre. Donc, s'il y a un moins, on verse plus. S'il y a un plus, on verse moins. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on verse plus que la CAF. Si la CAF s'engage à verser 10 000 et que pour une raison ou pour une autre, elle verse 8, que 8 000, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. Et ce n'est pas à nous, enfin pour moi en tout cas, ce n'est pas à nous, communauté de communes, de nous substituer à la CAF et d'apprécier le pourquoi ou le comment elle n'a pas versé. C'est de sa responsabilité, c'est elle qui attribue les subventions et ce n'est pas à nous de nous substituer à la CAF et de décider que le centre social doit recevoir ou pas. Voilà. Donc, encore une fois, tant qu'il y aura la possibilité de verser et de compenser la CAF, je voterai contre ce texte. Non, mais effectivement, l'idée, c'est effectivement, si une action n'a pas été réalisée, l'idée, donc la CAF ne verse pas, donc l'idée, c'est de ne pas verser effectivement cette partie-là à la structure, mais se laisser quand même la possibilité. Imagine que la CAF ne verse pas parce qu'il n'y a pas eu d'action sur 2021, parce que la structure est restée fermée 3 mois à cause du Covid, ça serait quand même difficile de dire à la structure on ne vous verse pas, quoi, alors qu'elle aura engagé certaines dépenses. Alors je donne l'exemple du Covid, mais ça peut être autre chose. Oui, tu as raison, mais est-ce que tu vas le faire toi pour ton centre social? Moi, à titre personnel, je n'ai pas les moyens de le faire et je ne le ferai pas. Donc, on a une différence de traitement entre nos centres sociaux et je trouve que c'est déplorable. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, Claude, il faut quand même faire une nuance que c'est un travail qui va être fait. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec deux centres sociaux qui sont de compétences communautaires et des centres sociaux qui sont de compétences intercommunes ou juste communaux. Alors, c'est vrai que c'est là où il y a la problématique. Et c'est là où donc il va y avoir le travail à faire pour voir ce que l'on fait sur cette compétence, sur l'harmonisation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme pour beaucoup de choses, on se retrouve avec deux systèmes. Et c'est tout le travail qu'il y aura à faire sur les harmonisations. Ce n'est pas parce qu'il y a deux systèmes qu'on doit accepter de verser ou pas. Je suis contre ce principe que ce soit dans le système de la CAF, enfin dans le système communautaire ou dans le système intercommunautaire, je suis contre ce principe. Ça ne vient pas là d'une compétence. Je dis qu'en plus, cette compétence, effectivement, implique une différence de traitement en notre centre sociaux, enfin, pour les centres sociaux. Voilà. Mais c'est pas après, chacun décide ce qu'il veut sur le vote et j'explique simplement pourquoi je vote contre. Je vois qu'il y a un autre doigt qui est... Oui, Sébastien Corion. Donc du coup, oui, Sébastien. C'était simplement pour rebondir ce que disait Claude. Moi, c'est vrai que je trouve que ça peut être quand même aussi un petit peu dangereux cette phrase, parce que pour être réajusté, il faut peut-être y mettre dans la limite de X%, parce que après, c'est vrai que j'entends cette problématique, ne serait-ce que par rapport au Covid ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'après, ne pas mettre une limite, c'est quand même voter un prix, voter un montant dont on ne saura pas quel sera. Enfin, c'est quelque part, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'on nous dit aujourd'hui c'est tant, mais demain, ça sera peut-être le double ou le triple ou 10 fois moins, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, pour que ce soit peut-être plus juste, mettre réajuster dans la limite de X%, quoi. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez vague de... d'approuver ça, moi je partage un petit peu ce sentiment. Quoi qu'il en soit, s'il y a réajustement, ça repassera en conseil communautaire. Obligatoirement, puisque aujourd'hui, nous avons des montants d'engagement qui ont été chiffrés avec un accompagnement qui a été acté. Donc, tout repassera via le conseil communautaire. Donc, pour moi, c'est difficile aujourd'hui de dire 2%, 3%, 5%, 10% ou rien du tout. Enfin,
Je veux dire, c'est quand même assez compliqué. Les décisions et les validations passent en conseil communautaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, Philippe. Je suis pas sûr. Oui. Est-ce que si on rajoute, effectivement, il faut savoir ce que c'est que la réfaction, mais dans le texte, en cas de réfaction, la participation de BER pourrait être réajustée en fin d'année en fonction de la somme effectivement perçue au titre du contrat enfant-jeunesse. C'est, voilà, c'est très clair. Est-ce que cette modification vous agrée ou pas? Tu nous relis la phrase, Philippe, s'il te plaît. Non, ça ne peut pas être ça. Ben, si, c'est en fonction d'une... S'il y a une réfaction de la part de la CAF, parce qu'il y a, moins, il y a eu moins d'activités que d'autres, de notre côté, on ne verse pas le complément. C'est aussi clair que ça. Donc, en cas de réfaction, la participation d'Hébert pourrait être réajustée en fin d'année en fonction de la somme perçue au titre du contrat réellement perçue au titre du contrat enfant-jeunesse. Voilà. Où on peut mettre, en cas de réfaction de la CAF, Hébert ne se substituera pas à la CAF. Si tu veux, Robert. C'est plus clair. C'est pas tout à fait pareil. Parce que imaginons qu'on se retrouve dans une configuration comme l'année 2020, où il y a un engagement, parce qu'on est quand même plein d'espoir, on repart sur des engagements d'action au niveau des centres sociaux, et puis qu'à la dernière minute, bim, on retombe dans une série de semaines et de mois de confinement, l'argent a été engagé au niveau du centre social, la CAF dit bah, « l'action ne se fait pas, je ne la finance pas », on se retrouve dans une situation compliquée. Donc moi, je resterais plutôt sur la proposition de Philippe. Mais quoi qu'il en soit, ça sera rediscuté en conseil communautaire. Hein, on ne va pas distribuer des subventions sans vous en informer. Et ça ne sera pas rediscuté dans la mesure où ça ne dépassera pas les 392 000 ou les 396 000. Ça ne sera pas rediscuté. Hein. Oui, mais on va quand même informer que des actions ne se font pas et qu'il y a des modifications au niveau des rentrées d'argent, notamment au niveau de la subvention que verserait la CAF si l'action ne se fait pas. Je ne suis pas sûr qu'on ne repassera pas en conseil. Bon, on... D'autres questions? Oui, il y a une intervention de Gilles Bonnetemps. Oui, jusqu'à, c'est vrai que l'habitude de sur la CB, en tous les cas, je crois, qu'en cas de réfraction, la communauté de communes versait la somme qui était prévue. Je crois que la phrase de Philippe, elle est très claire, c'est-à-dire que si effectivement il y a une réfection, on ne complète pas, on s'arrêtera au montant versé par la CAF, point final. Et pour finir avec le Covid, je rappelle cette année que les centres sociaux qui ont fermé à cause du Covid, les prestations de la CAF ont été versées intégralement. Donc finalement, ils en sont mieux sortis que ceux qui ont essayé de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point? Est-ce qu'on se cale sur la proposition de Philippe? Il n'y a pas de remarque qui modifie un petit peu la phrase qui est sur votre rapport. Pas d'autres questions? Non, pas aussi. Hein. Non plus. On passe au vote pour ce point avant de passer à la deuxième. On vote ce point avec la phrase de Philippe. Qui est contre? 1. Claude Lermet. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. On peut avoir les noms, Robert? Alors, Sébastien. Oui. Merde. Laurent. Laurent. Tu parles. Robert, on t'entend, madame. Hein? Hein? Je dis comment tu parles. Continue. Mais si, c'est vrai. Laurent Teille, hein, c'est bien ça. Madame Morel. Sébastien André.
Et il y avait Christelle Grangeau. Christelle Grangeau. Merci. Ici, à Saint-Clair, qui est contre? Qui s'abstient? Jean-Michel. Ça passera pas en conseil. Non, pas Guy. Merci. Oui, Michel Croux. Merci à vous. Le point donc 6-2, c'est pour Sandrine. Oui, donc pour la convention, comme pour la convention avec le centre social de l'île du Batoir, donc la convention avec l'eau vive portera sur 2 années, 2021-2022, donc pour être en adéquation avec le contrat enfant-jeunesse signé jusqu'en 2022 avec la CAF. Donc, l'association a pour but de renforcer le mieux vivre ensemble sur le territoire organisé autour de la vallée de la Varèse, sur les communes. Donc, du coup, la particularité, c'est qu'il y a les deux ex-territoires. Donc, pour les communes de l'ex-territoire de Beaurepaire, donc Chalon, Courébuy, Monsteroux-Milieu, Mons-Veroux, et pour les communes de l'ex-territoire du Pays Roussillonnais, Aubrive-sur-Varèse, Chessieux et Vergnoz. La participation donc financière d'Hébert, du fait des compétences exercées par les deux anciennes intercommunalités, ne concerne que les 4 communes de l'ex-CCTB. Hébert s'engage sur les activités socles du centre social, qui sont la fonction pilotage et famille, les accueils de loisirs auprès des 3-11 ans et des 12-18 ans, le LAEP, la ludothèque. Donc, l'ensemble des projets accueil de loisirs, l'AEP et l'IDOTEC sont définis dans le contrat enfant-jeunesse. Donc, avant 2018, le centre était en difficulté, mais a su depuis relever la situation. En 2018, l'eau vive, c'était 15 salariés pour 12,75 ETP et une fréquentation de 35 000 heures. En 2019, une fréquentation de 60 000 heures. Et en 2020, 18 salariés pour 17,66 ETP. Et à ce jour, fréquentation de 51 000 heures, soit quasiment à l'identique donc, par rapport à 2019, malgré le contexte sanitaire. Cette progression a pu se faire sans changer les montants de subvention des communes depuis 2017. La prestation de services allouée par la CAF pour 2021-2022 serait de 62 272,32, un montant prévisionnel, on en revient à la même phrase. Hébert s'engage à verser au centre social l'eau vive cette prestation, parce que c'est Hébert qui la touche, qui pourrait être réajustée en fin d'année en fonction de la somme perçue au titre du CEJ. Donc il faudra revoir la même phrase et participer et rajouter en cas de réfaction, pourrait être réajustée. Le centre social est aujourd'hui au bout de ce qu'il peut faire avec ses moyens. Donc, pour répondre aux demandes des habitants de la vallée de la Varèse, la prévision de fréquentation pour 2021 serait de 80 000 heures, pour ne pas être obligé de choisir la population, soit 20 000 heures supplémentaires. Pour cela, il faut combler 40 000 euros pour équilibrer le budget prévisionnel 2021. Donc, la proposition qui est faite, c'est d'augmenter la subvention pour la fonction pilotage famille logistique de 5%, soit un total de 147 000 euros, à répartir à part égale sur l'ensemble des communes, donc 21 000 par commune, ce qui représenterait pour Hébert 84 000 pour les 4 communes de l'ex-CCTB. La participation des collectivités pour les actions inscrites au CEJ, c'est-à-dire donc la LSH 3-11 ans et 12-17 ans, et la ludothèque, représente un montant total de participation à hauteur de 119 243 euros et à répartir cette fois en fonction du nombre d'habitants. La part prise par Hébert est de 50 697,21 pour les 4 communes de l'ex-CCTB. Hébert participe, finance également donc le LAEP en partenariat avec la CAF pour un montant de 1 350 euros. Donc la participation totale de Hébert passe ainsi
de 124 389 en 2020. 124 389, c'est pas ce que j'ai dit. Non, bon, c'est pas. En 2020, mais non, parce que y a le... j'ai enlevé la cave, c'est la ligne d'après. Donc, le solde, une fois le montant de la CAF retiré, donc le solde pour Hébert est de 124 389 pour 2020 et 136 047,21 pour 2021-2022. Donc, l'eau vive, je vous avais parlé tout à l'heure de 40 000 euros. Donc, l'eau vive aurait souhaité une augmentation globale, donc Hébert plus les trois communes, de l'ex-territoire du pays roussillonnais, de 40 000 euros. Et en faisant ce montage, on arrive à un total d'augmentation de 24 205. Donc, l'eau vive s'engage donc à aller à la recherche de d'autres moyens, de d'autres subventions pour combler les 16 000 euros manquants. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ici ? Oui, Gilles. Oui, alors là, on ne doit pas avoir de crâne de réflexion puisque la CAF paye sur 35 000 heures. On est déjà en période Covid 56 ou etc. et qu'on pense passer sans aucun problème à 80 000. Donc, il n'y aura pas de réflexion. Par contre, vous avez noté les chiffres. C'est les trois communes de l'ex-CCPR qui supportent grandement le centre social de l'eau vive, puisque c'est les communes les plus peuplées et les répartitions telles qu'elles sont faites. Donc, on supporte cette année une augmentation de 10%. On sait que si on veut faire face aux demandes, ça ne suffira pas. On reviendra probablement solliciter la communauté de communes, puisque je crois que c'est un vrai service qui est rendu sur la vallée de la Varèse. Et on ne pourra pas tenir très longtemps sur ce rythme-là. Comme l'a dit Sandrine, c'est un centre qui fonctionnait pas bien, qui aujourd'hui a retrouvé une vraie dynamique. Il y a des vrais besoins. Comme je l'ai rappelé en bureau l'autre jour, la population de la vallée de la Varèse, elle se paupérise, comme ailleurs. Les coefficients familiaux sont en train de chuter. Et ce qui veut dire que pour le centre social, ce sera encore des pertes de revenus. Aujourd'hui, sur chaque journée, c'est 5 euros perdus par enfant. Merci Gilles de ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, pas d'autres interventions ici. Ah si, Claude Lhermet. Oui, j'ai entendu ce que venait de dire Gilles, mais pour les mêmes raisons, je reste cohérent avec ma décision et je voterai contre, bien naturellement. Donc, on va passer au vote. Roussillon, qui est contre ? Vas-y, Gilles. Oui, je crois que Claude, tu n'as pas entendu, soit pas compris ma réponse. Là, il n'y a aucun risque sur la réflexion, là. Aucun risque. Donc, il n'y a rien qui sera demandé à Hébert en plus pour l'instant. Gilles, j'avais bien compris ta réponse, mais s'il n'y a aucun risque, pourquoi on met cette phrase ? Bon, allez, on passe au vote. Voilà, ça le pontillait. Un Roussillon, donc, est contre Claude. Oui. Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4. Alors, 4. Moins Christelle. Donc Laurent, Nathalie. Les mêmes que tout à l'heure, sauf avec Christelle en moins. Juste une petite précision, je m'étais abstenue là pour le centre social de l'île du Batoir parce que je fais partie du conseil d'administration. Merci. Elle n'aurait pas dû prendre part au vote. Bon. Donc, ici à Saint-Clair, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On passe au point 7, économie avec Gilles. Oui, vous m'entendez ? Parfait. Alors, c'est parti. Concernant le rachat de la friche Pichon, il va donc nous falloir approuver aujourd'hui le rachat de la friche par les Poras. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas la friche
Pichon. La friche Pichon se situe à Beaupère. C'est une ancienne chaudronnerie d'une surface de 14 000 m² couvert sur un terrain d'un petit peu moins de 5 hectares. L'acquisition de ce bien par l'EPORA est issue d'une convention d'études et de veille foncière entre l'EPORA, la commune de Beaupère et l'intercommunalité. Elle a ensuite évolué vers une convention opérationnelle toujours entre les mêmes partenaires. Puis l'intercommunalité a demandé le portage du bien par EPORA pour la durée de la convention en cours, donc jusqu'en décembre 2020, s'engageant sur une garantie d'achat à caducité, bien entendu, de cette dernière. L'intercommunalité a déjà approuvé l'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle, actualisant le bilan prévisionnel de l'opération. Alors aujourd'hui, nous avons 1 508 184 euros de dépenses entre acquisition, frais, les travaux et les coûts de gestion, si je ne m'abuse. Et en termes de recettes, on doit avoir 100 000 euros du FEDER. Alors, il y avait déjà eu une question en bureau, je m'empresse d'y répondre tout de suite. Normalement, on pense avoir 100 000 euros, mais on n'en a aucune certitude, je le répète tout de suite. Et 400 000 euros qui nous proviennent de l'EPORA. Cela nous donne un montant de rétrocession de l'ordre de 1 088 184 euros. Et en réalité, le coût du rachat après mise à jour du montant des dépenses attestées par l'EPORA, par les services, je pense, de l'EPORA, s'élève, et j'espère que je ne ferai pas la même erreur que la dernière fois, écoutez-moi bien, à 989 723,45 euros hors taxes. Et si on en fait un montant TTC, c'est 1 187 668,14 €. Alors, il faut qu'on se prononce sur cette rétrocession qui est dans la convention. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Peut-être alors, des questions hein. Alors, Roussillon. Sébastien a une question. Oui, alors bah après sur la procédure, sur la formalité de rétrocession, pas de problème. Par contre, est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur le projet, sur le fond de cette friche ? Parce que la racheter, c'est bien beau, mais après, le but, c'est d'en faire oui. Quoi ? Quel projet pour... Tout à fait. Alors évidemment, le but, l'ancienne intercommunalité du Pays Beaupérois a décidé de travailler sur cette friche et notamment de pouvoir permettre un prospect de venir pour essayer d'améliorer les ratios d'emploi, évidemment. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir en termes de chiffres, c'est que là, vous avez le coût du rachat à l'EPORA. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, si vous voulez, je peux vous les détailler, sur ce bâtiment qui s'élève à peu près à 3 millions d'euros. On est en contact avec deux prospects assez sérieux qui sont dans le domaine de l'industrie. Il y a un groupe de travail qui va plancher sur la question de ces prospects pour savoir effectivement quel est le meilleur d'entre eux, parce que quand on atteint quand même un certain nombre de dépenses d'argent public et quand on est dans ces hauteurs et dans ces sommes-là, il faut qu'on arrive, enfin, il ne faut surtout pas se tromper sur le choix du prospect. Donc le 6 janvier, il y a un travail d'étude assez précise sur ces deux propositions et ces deux offres-là. Pour qu'au bureau du 14 janvier, on soit en capacité de vous détailler le prospect et son projet. Et c'est difficile pour l'instant pour moi de parler des prospects parce que tant que dans ce milieu-là, on n'a pas fait affaire, je dirais, qu'on n'a pas signé, qu'on n'a pas... C'est toujours un petit peu délicat. Il faut qu'on se penche sur un certain nombre d'informations comme les garanties financières qu'ils peuvent avoir pour qu'on puisse se prononcer précisément. Mais effectivement, ça sera un projet véritablement industriel. Les deux offres, c'est vraiment de l'industrie qui nous paraît le plus pertinent. Vous en saurez plus, je pense, au bureau du 14 janvier. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces deux prospects. Il y a d'autres touches, hein, mais qui nous paraissent un petit peu moins convenu par rapport à l'argent qui a été mis en place. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur Beaupère, évidemment, on verra avec la deuxième question qu'on va aborder, c'est que
sur le secteur Est, il y a la question de la friche Pichon, bien entendu, qui intéresse un certain nombre de personnes, mais il y a la question de la zone Champlard qui va se poser, la question de la Maladière, et effectivement, l'intercommunalité aura, comme d'habitude, la faculté à surtout pas se tromper pour savoir dans quel ordre et quelle priorité on va mettre sur ces entreprises qui bougent, notamment sur le secteur de Bordère, qui ont besoin de s'agrandir, etc. etc. Je sais pas si je ne peux pas répondre précisément aujourd'hui à votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même deux prospects intéressants qui frappent à la porte. Et la difficulté d'ailleurs dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'eux aussi voudraient qu'on s'engage plus précisément, mais qu'on a un certain nombre de choses à faire. Déjà, terminer les travaux de la friche Pichon, qui se termineront en février, et qu'aujourd'hui, on travaille avec eux sur des relations de, simplement, mais c'est important, de confiance. Voilà. Merci. Et en attendant des garanties financières. Merci de tes précisions, à savoir que le maire de Beaurepaire, bien entendu, sera convié à la réunion du 6 janvier. Et ce n'est pas le 14 janvier, hein, Gilles. J'ai dû me tromper encore dans une date. Non, mais ce n'est pas grave. On va recommencer. Le premier bureau sera le 4 janvier et on garde toujours le lundi. Il y aura un petit tableau qui vous sera envoyé d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Oui, on a ici aussi. J'ai une première remarque. On parle de la commune de Beaurepaire et de l'intercommunalité sur l'acquisition du bien avec Epora. Et Beaurepaire ne rentre pas en ligne de compte financièrement? Si je puis me permettre, je parle sous contrôle des juristes. Je pense que c'est dû au fait que, dans le temps, il y a eu les lois de décentralisation qui sont passées par là et qui font qu'aujourd'hui, le pilote de l'économie, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est l'intercommunalité et que c'est dans ce cadre-là, sûrement, qu'il a fallu faire une convention, un avenant à la convention pour permettre effectivement à la commune de donner ses droits, si je puis dire, à l'intercommunalité qui est le référent économique avec la région. Je pense que ça doit être de cet ordre-là. C'était pas ses droits, mais plutôt ses dettes. Monsieur Duranton, Claude Lhermey. Je vous vois quand même et je vous entends. Allez, Claude. Oui, Gilles, tu as répondu par rapport à FEDER. Donc, effectivement, cette subvention n'est pas assurée. Donc, si elle ne devait pas être versée, le prix de rachat serait d'1 089 000. Alors là, encore... Il augmenterait de 100 000. Potentiellement, là encore, je parle, je sais qu'il y a des oreilles qui m'écoutent, notamment à Saint-Clair. Alors, je crois qu'ils ont 2 ans pour se positionner. Et moi, j'ai peut-être entendu parler peut-être que de 50 000 euros. Mais peut-être, Serge ou Sylvie, vous avez des éléments d'information complémentaires. En tout cas, dans le pire des cas, effectivement, ça pourrait être 100 000. C'est ça. Non, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Moi, je n'ai pas d'informations complémentaires, mais ça sera, oui, si il n'y a pas la subvention FEDER, ça sera 100 000 euros hors taxes supplémentaires. Serge, tu as vu un complément? Non plus. Est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas de questions aussi. Alors, ici, sur Saint-Clair... Non, pas de question. Donc, qui est contre? Personne? Qui s'abstient? Personne? Merci. Contre? Abstention? Merci à vous. Le point 7.2, Gilles? Allez. Eh bien, écoutez, je vais vous parler du... Crac de Champlard, ce n'est pas très, très élégant, c'est du compte-rendu annuel à la collectivité 2019. Voilà ce que ça veut dire, le crac. Donc, je rappelle rapidement l'objectif de cette opération, qui est la création d'une zone d'aménagement concertée de 24,5 hectares, permettant la mobilisation de fonciers en vue de répondre à une offre d'accueil à destination des entreprises. Et c'est sur la commune de Beaurepaire, si je ne m'abuse.
Bon, ce que je peux dire très brièvement, c'est que cette opération devrait pouvoir se phaser en 3 temps et de réaliser une première tranche permettant de réduire les dépenses tout en permettant des recettes foncières. La présentation du crack 2019 s'est faite par le concessionnaire, la SPL Isère Aménagement, qui est bien connue sur le secteur puisqu'elle travaille aussi avec, dans le cadre d'Inspira. Et ça s'est fait le 5 novembre 2020. Pour rappel, la dernière délibération sur l'approbation du précédent crack s'était faite le 19 juin 2019. Les éléments notables de ce document sont les suivants. Sur la poursuite de l'instruction des dossiers réglementaires, dossier d'autorisation unique, en décembre 2019, les services de l'État ont demandé le retrait du dossier d'autorisation unique à substituer par le dépôt d'un dossier d'autorisation environnementale. Le dossier de création de ZAC est en cours de réalisation. L'étude d'impact agricole a été remise fin 2019. Des compléments et corrections doivent être amendés avant le passage en CDPENAF. L'engagement de diagnostic des fouilles archéologiques prescrites par la DRAC met en évidence la présence de vestiges significatifs sur la tranche 1 de l'opération. Un arrêté de prescription de fouilles a été délivré par la DRAC le 23 août 2018. Alors ça, je peux vous dire que ça va faire mal, hein, les fouilles archéologiques. Concernant la feuille de route 2020, qui a été écrite au printemps 2019, le crack fait apparaître, comme vous pouvez l'imaginer, qu'elle n'a pu être réalisée qu'en partie compte tenu de la crise sanitaire. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Le passage en CDPENAF doit avoir lieu le 17 décembre 2020. Et normalement, tu devrais c'est repoussé. Ouais. Ah, c'est repoussé. Ce n'est pas une bonne nouvelle, alors. Fin 2020, le dossier d'autorisation remis à l'ADREAL. Mi-2021, acquisition du foncier à aménager par Isère Aménagement. Deuxième semestre 2021, enquête publique, potentiellement en juin. Deuxième semestre, toujours 2021, après enquête publique, réalisation d'une partie des fouilles archéologiques. Deuxième semestre 2021, délibération portant sur le dossier de création de la ZAC. Début 2022, travaux de commercialisation. Une première tranche de 8 hectares pourrait être commercialisée après l'obtention des autorisations. Concernant le bilan financier, les dépenses constatées en 2019 s'élèvent à 57 918 euros, dont le détail se trouve dans l'annexe 1. Vous devez l'avoir sur votre note de synthèse. Il était prévu l'acquisition du foncier en 2020, mais au regard de l'avancement de l'opération, cette acquisition est reportée à 2021. Les dépenses budgétées en 2020 sont de 805 553 euros. 52 327 euros hors taxe hors foncier. Il nous faut prendre acte des éléments du crack et approuver le versement d'une participation, surtout au traité de concession pour l'année 2020, du montant de 52 327 euros par rapport à la SPL Isère Aménagement. Voilà ce que je peux dire de ce crack qui nous a été présenté en novembre. Donc, vous avez bien compris que les acquisitions foncières glissaient sur 2021 et que le coût de la SPL, bien, vous l'avez. Hein, il va falloir nous acquitter de ce montant. Et j'aurais tendance à dire, mais alors, je ne sais pas s'il faut faire un vote tout de suite, mais qu'il y a peut-être un point de vigilance à avoir. Je sais que Philippe en avait parlé la dernière fois concernant la SPL Isère Aménagement. C'est peut-être de les solliciter pour accélérer dans la mesure du possible peut-être le mouvement. Quand même, on ne peut pas aussi s'empêcher de parler un petit peu du déficit global de l'opération qui est de l'ordre de 2 500 €. Donc vous aurez bien compris que les fouilles archéologiques vous posent un certain nombre de questions, puisque derrière elles vont aussi vraisemblablement jouer sur les prix qu'il va falloir sortir au niveau du foncier, du mètre carré, et que malgré tout il va falloir trouver le fait qu'elles soient compétitives par rapport aux autres zones, et qu'il est fort possible que l'intercommunalité doive assumer un déficit dans cette opération. Mais enfin, ça, c'est des discussions et des arbitrages qu'on aura à voir au fur et à mesure.
Voilà ce que je peux vous dire sur cette opération. Merci Gilles. Des questions sur Roussillon ? Oui, Claude. Oui, simplement, Gilles, quand tu parles de 2 500 000 euros de déficit, c'est avec les fouilles, l'estimatif des fouilles ou sans les fouilles ? Je pense que c'est avec les avec les fouilles. C'est sans les fouilles. C'est sans les fouilles. Sans les fouilles. Sans les fouilles. OK. Donc, on aggrave le déficit. Alors moi, c'est juste une question, mais qui est peut-être bête. Simplement dire, est-ce que le montant, en tout cas le budget des fouilles peut être connu avant d'aller plus loin dans cette opération ou pas ? Parce que tu parles d'un déficit de 2,5 millions. Si on rajoute 500 000 ou 1 million de fouilles, on est à 3,5 millions, divisé par le nombre de mètres carrés. Et pour garder la compétitivité, comme tu le dis, est-ce qu'il vaudrait mieux pas remettre ce terrain en jachère et en trouver un autre ? En zone agricole, pas jachère. Oui, zone agricole. Excuse-moi, monsieur le vice-président à l'agriculture. Je propose qu'effectivement la SPL nous fasse des propositions plus précises pour que le moment venu, on soit en capacité de faire des arbitrages. Pardon, vous m'entendez pas ? Vas-y, un peu plus fort. Ouais. Vas-y. Voilà, je pense que la SPL devra nous fournir les éléments essentiels, notamment sur tous ces coûts supplémentaires, pour qu'effectivement, le moment venu, on soit en capacité de faire les arbitrages, les bons arbitrages. Sachant qu'au-delà, alors c'est vrai que c'est une question importante, la question financière, mais qu'effectivement, sur cette zone de Port-Père, il y a eu aussi un terrain d'entente, et ce n'est pas une chose aisée avec les agriculteurs pour pouvoir faire de cette zone une zone économique. Bien entendu, je pense qu'à la lumière, il faudra attendre encore un peu et éclairer sur le coût précis de ces fouilles pour voir si on est en capacité de tenir, si je puis dire, d'avoir les tenants et les aboutissants et d'avoir un prix compétitif tout en sachant que vraisemblablement il y aura un déficit sur cette opération. Mais en général, sur ces zones, elles sont souvent déficitaires. La question est de savoir de combien et jusqu'où on est capable d'aller. Et en combien de temps on l'amortit ? Et en combien de temps on l'amortit ? Non ? Philippe, pour Saint-Clair ? Oui, donc juste quelques précisions. Effectivement, il est urgent de faire un point avec notre concessionnaire. On va l'appeler comme ça, mais enfin, on le paye à pas faire grand-chose. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Ça nous coûte très cher. Pour aller dans le sens des fouilles, dans le CRAC, c'est eux qui l'annoncent. Le coût pour la première tranche au niveau des fouilles, c'est 1 500 000 euros. Voilà. Hors frais de maîtrise d'œuvre, effectivement. Et le temps est quand même de 13 mois. 13 mois de fouilles. Voilà. Donc, à intégrer dans le délai. Même si, effectivement, ils disent qu'ils souhaitent limiter l'impact sur le bilan opérationnel de la ZAC, pas sur le montant total, mais sur le phasage pour la scinder en deux phases distinctes. Mais ça, ils parlent que sur les premiers 14 hectares et demi, mais ils n'ont encore pas abordé la deuxième tranche qui est de 10 hectares. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en gros, c'est 1,5 million pour pas loin de 15 hectares. Je vous laisse voir le ratio de. Donc, il est vraiment urgent de faire le point avec notre aménageur pour déjà qu'il nous explique où il en est de l'ensemble des instructions vis-à-vis des attentes de l'État, vis-à-vis des dossiers qu'il a en cours d'instruction pour que effectivement tout soit clair entre les élus, l'interco et l'aménageur. Une autre question à Roussillon. Oui, je voulais juste savoir, il y a eu un diagnostic sur quel type de vestiges pour que ça coûte si cher ? C'est une bonne question. Sur ce secteur un petit peu de je ne sais pas si on dit terre froide. Non. C'est des choses gallo-romaines, c'est des choses préhistoriques. Je ne crois pas que ce soit gallo-romain. Non, Béatrice Moulin-Martin va vous répondre. Oui. Je vous m'entendez ?
Ouais. Oui. Alors, en fait, on avait les vestiges de Beaurepaire jusqu'après les Romains sur le site de Beaurepaire actuel. On a retrouvé Beaurepaire après 1300. Et en fait, Beaurepaire avait disparu entre 800 et 1300. Et voilà, on a retrouvé Beaurepaire donc, oui, sur la zone de Chanlard. Voilà. Voilà, donc ils ont retrouvé pas des gros morceaux, hein, mais suffisamment de choses pour dire d'intéresser les gens. C'est identifié comme des vestiges significatifs, donc voilà. au titre de la DRAC. Oui, c'est ça, oui. Mais peut-être pas pour vous quand même, hein, parce que j'ai effectivement fouillé un peu pour regarder ce que c'était. C'est significatif, oui, mais voilà. On ne va pas trouver une fresque, ni un début d'église, ni quoi que ce soit. Hein. Ou des puits, quand même, des forges, des rues. Disons que les risques avérés et le coût des fouilles risquent quand même de poser un certain nombre de questions et même d'amener peut-être, j'espère que non, mais on verra jusqu'où on peut aller, mais des réponses. Ça va être compliqué, oui. On a deux points de point de vue environnemental où on a des espèces qui sont relativement rares, outre le busard des roseaux. On a le dicnème criard qui est relativement rare et qui a été trouvé nicheur sur le secteur. Donc, Donc ça s'ajoute. Régis. Oui, avec tout ce que j'entends là, je me dis, est-ce que le point de non-retour est dépassé? Sinon, s'il n'est pas dépassé, je crois qu'il faut urgent d'attendre, comme dirait Isabelle, parce que là, j'avoue qu'on c'est un plein marasme, parce qu'on fait des choses, on ne sait même pas où on va. Au niveau archéologique, bon, ça peut très bien déboucher sur un truc sympa, on pourra faire peut-être un truc touristique, et ça, j'y adhérerais. Mais là, ça me pose beaucoup de problèmes parce qu'on rajoute, on rajoute. Alors, on rajoute des busards, on rajoute un musée, pourquoi pas. Enfin, franchement, là, je sens très, très mal. Alors, si on n'a pas dépassé le point de non-retour, oups, vite, arrêtons-nous, posons-nous. Et puis, même d'ailleurs, l'aménageur, déjà, tu as des grands doutes, Philippe, voilà, je te rejoins. Là, j'avoue qu'il y a un truc vraiment, il faut se poser la question, là. Hein, si vous voulez faire un truc touristique, je peux demander au CPI de donner des subventions au niveau des départements, mais ça ne va pas aider grandement. Simplement, je voulais dire, attention, si le point de retour n'est pas passé, stop, on freine tout. Donc, je crois que ça ne sera pas plus mal. L'urgence aujourd'hui, c'est une rencontre avec Isère Aménagement. Oui. Il y a une rencontre avec Isère Aménagement, mais il faut aussi qu'on ait un bilan financier qui soit clair. Et qu'on n'en rajoute pas tous les 8 jours. Parce que là, si on regarde le bilan tel qu'il était prévu, on était aux alentours de 7 millions d'euros déjà à l'époque. Si on en rajoute encore 3, on est à 10 millions pour 25 hectares. On voit la différence qu'il faut rajouter par rapport au terrain industriel. C'est clair, mais il faut qu'on ait un bilan qui soit fait à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions? Toujours Claude. Oui, non seulement un bilan, mais une vraie prospective dessus, savoir où on va. C'est-à-dire qu'un bilan, on va savoir ce qu'on a dépensé aujourd'hui et savoir quel est le... Alors, Régis parlait de point non-retour. Il y a un point d'équilibre. Quel sera le point d'équilibre? En combien de temps? Donc ça, on doit avoir des gens qui sont capables de nous en donner un aperçu en fonction des travaux. Mais c'est vrai que, Philippe, tu ne m'as pas rassuré avec ton busard. Et donc, si on rajoute le busard aux fouilles, à moins qu'on mette le busard dans les fouilles, mais on est sur une zone qui paraît extrêmement sensible. Et je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, sur Isère Aménagement... Gilles m'a rassuré en disant que c'est la même que celle d'Inspira. Et j'espère qu'on n'a pas dépassé le point de non-retour sur Inspira. Merci. D'autres interventions? Non, pas Roussillon. Non, pas Roussillon. Pas à Saint-Clair non plus. Plus d'interventions? Donc, on prend acte, hein, pour le rapport. Il y a pas de... Est-ce qu'il y a un vote? Je ne crois pas. Non, pas...
Voilà, on prend acte. Une prise d'acte, mais par contre, il avait une deuxième question. Ah, pardon. Qui avait une deuxième question? Gilles, il avait demandé le deuxième point. Tu avais dit le crack, c'était l'acte et l'autre. Non, c'est bon. Si on me dit qu'il y a un vote. Ah, il y a un vote. C'est ce qui me semblait, Gilles. Oui, bien entendu, puisqu'il y a un montant. Excusez-moi. Ah oui, approuver le versement d'une part. Ah oui, il y a le versement de la participation. Ah, mais tu vois, une question foncière décalée à 2021 pour 52 300 euros. C'est ça. Bon, il me semblait. Bon, à Roussillon, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Claude? Sébastien Courion? Merci. À Saint-Clair? Des contre? Des abstentions? Alors, gardez vos mains levées deux petites secondes. Alors, je commence là-bas. On va commencer de ce côté. Donc, Axel, Montfermeur, Michel Croix, Pierre. Merci. Non, mais je n'y ferai pas. Ensuite, Frédéric Dessaigné. Quand je dis votre nom, vous baissez. Jean-Marc Ray. Régis Vialat, Denis Merlin, Philippe Gentil, Gilles Bonneton, Isabelle Dugas et Jean-Claude Pavlov. François. Pourquoi François? Mais je te dis toujours Jean-Claude. François. Pavoni. Ah, oula, mais je ne vous vois pas là-haut. Allez, levez-vous. Aïda Chouchan, je ne vois pas très bien. Voilà. Ça doit être noir. Il fait noir, il fait trop noir. C'est tout comptabilisé? C'est tout bon? Yeah. On en était à Aïda. C'est bon, Aïda? Oui, Marie-France. Et puis, voilà. Oui, Christine. Merci. Alors, Gilles, le point 3. Alors, le point 3, c'est le cofinancement d'une étude sur territoire d'industrie. Donc, territoire d'industrie, c'est plusieurs EPCI et l'État. C'est basé sur quatre piliers. Je ne les ai plus tous en tête. Je sais qu'il doit y avoir la formation, les facilités administratives et puis les deux autres points, ça doit être l'emploi. Et le dernier, je ne sais plus. Bref, il s'agit du cofinancement d'une étude dans le cadre donc, de territoire d'industrie. Parmi les actions engagées, donc, il y a 5 EPCI. Pour ne pas les citer, Vienne, Condrieu, agglomération, les communautés de communes du Pays Mormantais, de la vallée du Garon, des vallons du Lyonnais et nous-mêmes. On souhaite disposer d'un portrait industriel du territoire 2020-2021. Ce portrait serait réalisé et présenté en comité de projet au début de 2021. Je pense que ça devrait peut-être voir le jour même à fin janvier, peut-être, par l'Agence d'urbanisme de Lyon. Et se déroulera en deux phases. Premièrement, un panorama de l'industrie dans le territoire d'industrie. Ce volet doit montrer les spécificités de chacun et les dynamiques de chacun des 5 EPCI et donc globalement du territoire d'industrie. Et deuxièmement, un focus sur 5 ou 6 secteurs clés sectoriels de territoire d'industrie. Le plan de financement, c'est une participation de la Banque des territoires à hauteur de 50%, ce qui fait 9 357 € du coût de cette mission, qui s'élève à 18 750 €, les 5 autres EPCI se partageant le reste des 50% à hauteur de 10% chacun, soit 1 875 € par EPCI. Et il nous faut approuver également cette convention de financement, et pour permettre à Urbalyon de réaliser cette mission, il nous faut également conventionner avec cette agence d'urbanisme. Cette agence nous fixe un calendrier en 3 étapes, 2 phases de rendu en COTEC et une présentation finale aux élus lors de la semaine de l'industrie, qui se déroulera sûrement dans le premier semestre. Voilà. Donc, on doit adopter ces 2 conventions pour pouvoir réaliser cette mission. Merci, Gilles. Des questions à Roussillon ? On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on attend exactement de cette étude.
Alors, je dirais peut-être que c'est une opération. Alors, opération, j'aime pas bien ce mot-là, mais de communication, de dynamisme de notre territoire. C'est plus, je pense, basé sur le fait qu'on parle de nos territoires comme des territoires industriels. Voilà, c'est plus une opération de ce type-là. D'autres questions à Roussillon ? Non, pas de questions. À Saint-Clair, des questions ? Non, on passe au vote. À Roussillon, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Pardon. Merci. Ici, des contre ? Des abstentions ? Merci. Le point 4, Gilles ? Alors, concernant l'entreprise Figuet, l'avenant numéro 3 au crédit bail immobilier de l'entreprise. Donc, Figuet, l'entreprise Figuet est est spécialisée dans la mécanique générale et de précision, ainsi que dans l'usinage de pièces mécaniques. Le 12 octobre 2001, la commune de Beaurepaire a acquis pour l'euro symbolique un bâtiment industriel. Elle a signé un crédit bail avec M. Figuet à l'issue des travaux. Ce crédit bail est d'une durée de 20 ans à compter du 1er octobre 2001. L'évolution des statuts, là aussi, a fait que c'est la CCTB qui a récupéré ce crédit bail. Deux avenants sont venus modifier ce crédit, un sur une augmentation de la redevance et un pour un report d'échéance à l'entreprise. Aujourd'hui, considérant la période de la crise sanitaire et la suspension des loyers par décision du président, Monsieur et Madame, c'était juste à la fin, enfin au début, à la fin la fin du mandat précédent, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, donc, Monsieur et Madame Figuet ont sollicité un report des échéances actuelles d'une période de 6 mois à la fin du crédit bail. Donc, nous devons par un troisième avenant régulariser cette demande pour permettre le report des 6 mois de redevance du 1er mars 2020 au 31 août 2020 à la fin du présent contrat, à savoir du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Et nous devons délibérer pour pouvoir modifier et régulariser ce troisième avenant. Si vous en êtes d'accord. Il manque un chiffre. C'est possible. Il manque un chiffre. Oui, 2023. Mais non, c'est 2023. Oui, c'est ce que tu as dit, Gilles, mais sur le document, il manquait un chiffre. Voilà, il a été rajouté. Est-ce qu'il y a des questions ? À Roussillon ? Pas de questions. À Saint-Clair, non plus. On passe au vote. Donc, on passe au vote. À Roussillon, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Ici, contre. Abstention. Merci. Le point 5, Gilles ? Eh bien, il s'agit de la zone de la Croix à Vergnoz. Donc, il s'agit d'une zone économique sur cette commune et du bail à loyer avec Magawash, qui est une station de lavage autonome et automatique, lavage de véhicules. Hébert a souhaité proposer une offre soucieuse de la gestion foncière en permettant un complément à la station-service. Donc, c'est plutôt, comme on dit, vertueux. Les conditions du bail pour une surface de 665 mètres carrés sont d'une durée de 21 ans contre un paiement annuel d'un montant de 8 400 euros hors taxe. Et nous avons donc délibéré pour pouvoir agir. Des questions ? Pas de questions à Roussillon. Pas de questions à Saint-Clair. Le vote ? Donc, qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Contre, Saint-Clair ? Abstention ? Merci. Merci, Gilles. Le point 8, agriculture, Robert. Donc là, c'est une convention de lutte contre le frelon asiatique. Vous savez que le frelon asiatique aujourd'hui a envahi notre région et on a énormément de problèmes. Donc là, il s'agit d'approuver une convention de financement avec le groupe de défense sanitaire de l'IDER portant sur la destruction des nids de frelons asiatiques. Donc à ce titre, le GDS sollicite la communauté de communes pour participer au financement
de la destruction des nids de frelons à hauteur de 50%, les 50% restants étant pris à charge par le département de l'Isère. Donc, le nombre de nids étant variable chaque année. Et donc, on propose de signer une convention sur un plafond de 5 000 euros pouvant correspondre à 40 nids. Donc, une clause de reconduction tacite est introduite pour les années 2021-2022, hein, puisque là, on vote pour l'année 2020. Donc, vous en aviez un joli à Salaise. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Claude Lhermé. Désolé. Non, juste une question pratique. J'ai vu dans la convention qu'on régularisait en fin d'année. Est-ce que c'est les communes qui font l'avance, les propriétaires? Comment ça se passe? Je pense qu'on aura une explication du fonctionnement de cette convention par rapport au coût. En principe, c'est au moment où le nid est détecté qu'il est pris en charge par le GDS ou un autre organisme. Hein, et derrière, c'est un paiement direct du département et de l'intercommunalité. Et aujourd'hui, c'est la première sur cette année, il y a une partie des gens qui ont fait l'avance de ces sommes-là. Mais là, je ne sais pas si le remboursement il sera pris en compte pour s'il n'y en a pas beaucoup, oui, je pense. Mais c'est plutôt Serge qui peut nous dire si on peut rembourser a posteriori. Hein, Serge. Oui, sur ce qui a été vu, oui, c'est possible. Après, il faut qu'ils nous fassent un état, puisque c'est une convention, comme tu l'as dit, Robert, qui commence dès l'année 2020, et que l'année 2020 est pratiquement terminée. Donc, il faut qu'ils nous refassent un état complet des interventions pour voir comment on régularise. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Roussillon? Oui, une autre question, M. Azopardi. Oui, Sébastien André. Sébastien André. Par rapport au nombre, enfin l'évolution de nombre de nids qu'il y a déjà eu cette année, je pense que 40 suffiront pas. Juste sur ma commune, j'en ai eu 5. Mais ça, c'est un problème de voilà. Température aussi. On a une année qui a permis d'avoir beaucoup de nids. Et donc, s'ils ont été détruits assez tôt, ils n'ont pas le temps de se reproduire en hiver. Ben, le problème, c'est qu'ils ont été détectés très tard parce qu'avec les feuilles, ben, en fait, on ne les voit pas assez. On a fait détruire dès qu'on les a vus. Mais là, je pense que l'année prochaine, ça va être catastrophique. Ce qu'il faut, c'est surveiller dès le printemps, hein, au moment où les nids commencent à se former, que les feuilles des arbres commencent aussi à éclore. Après, donc déjà, l'intérêt, c'est de rentrer dans ce système et d'avoir cette convention. Et puis, on fera un point à 6 mois et on verra où on en est, ou plutôt s'il y a besoin. Voilà, on est parti l'an dernier sur le secteur, Robert, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était 28 interventions, me semble-t-il, de mémoire. Une vingtaine sur le secteur. Voilà. Et... Donc, on a un peu doublé pour avoir de la marge. Et puis après, ben, on réajustera s'il le faut, je pense. Au niveau de l'Isère, je crois que c'est multiplié par 10 cette année. Mais moi, je parle sur le territoire. Hein. Oui, les 20 interventions, oui, c'est ouais. Sur le territoire. Non, mais on a une partie de l'Isère, qui est la vallée du Rhône, qui a été fortement touchée, mais la partie sud de Grésivaudan et autres est beaucoup moins touchée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Roussillon avant de voir s'il y en a sur Saint-Clair? Non. Non, Saint-Clair? Non, alors on passe au vote. Qui est contre sur Roussillon? Personne qui s'abstient? Personne. Merci. Saint-Clair contre? Abstention? Merci. Le point 9 pour Gilles Bonneton. Oui, donc la communauté de communes a confié à la société Vert Marine par délégation de service public l'exploitation du centre aquatique Aqualone pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. L'article 23 de la présente convention
indique les conditions applicables à la révision des tarifs du service d'exploitation du centre aquatique. Les tarifs sont proposés par le délégataire et communiqués pour approbation à l'autorité délégante. Une grille tarifaire est proposée par le délégataire au conseil communautaire. Ce dernier, au regard de la faible diminution des tarifs par application de la révision des prix, demande de conserver les prix appliqués en 2020 pour l'année 2021. Vous avez pu voir les documents 6 juin. Le bureau communautaire s'est prononcé dans ce sens. Donc, le conseil communautaire est appelé à approuver le maintien pour 2021 des tarifs 2020 du centre nautique aquatique et d'autoriser le délégataire, la société Vert Marine, à appliquer ces tarifs au 1er janvier 2021. Est-ce qu'il y a des questions à Roussillon ? Non, pas de questions. À Saint-Clair, pas de questions non plus. Passe au vote. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Saint-Clair, contre ? Des abstentions ? Merci. Merci Gilles. Le point 10, personnel communautaire, participation employeur à la complémentaire. Donc en fait, il y a une participation employeur qui avait été arrêtée en 2019 sur la base de 50% du coût de la mutuelle. Les tarifs étant en hausse pour 2021. Et pour maintenir ces 50% de la part de l'employeur, donc vous avez la grille qui vous est présentée sous-dessous avec les montants engagés pour 2021 par l'intercommunalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je rappelle que ce n'est pas obligatoire le 50% parce que maintenant on est obligé de donner une valeur fixe pour les sommes. Oui, c'est pour ça qu'il y a un tableau avec des valeurs fixes qui est proposé. Tout à fait, c'est plus 50% mais c'est la valeur fixe qu'il faut qu'on débatte. Oui. Pas de questions. Pas d'autres questions à Roussillon. Olivier pour Saint-Clair. Oui, je voudrais juste une précision. Je vois qu'il y a les lignes des retraités. Ça veut dire qu'il y a aussi la prise en charge pour tous les retraités. Serge ? Oui. Mais ça, oui ça permet d'avoir une indication de combien ça coûte. Pas d'autres questions ? Non, pas chez nous. Alors, on passe au vote. Qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc c'est... Merci. Des contre ? Des abstentions ? Merci à vous. Le point 11, foncier. Alors, on a déjà vu ce dossier. Ça concerne la création d'une servitude et un échange de terrain. Sur le parking de Beaurepaire, le parking qui se trouve au sud, du cinéma Loron. Donc en fait, par un courrier du 31 janvier 2014, la CCTB s'était engagée auprès de M. Arfon et de M. Guillet, les deux propriétaires qui se trouvent à l'est, à autoriser une sortie sur la parcelle 365, donc qui se trouve au sud du cinéma Loron et sur le chemin du battoir. Cette autorisation a été donnée afin de résoudre donc des problèmes de sécurité de sortie sur l'avenue Louis-Michel Villaz. Il y a eu un courrier d'engagement confirmé en mai 2017 pour céder un droit de passage pour donc des véhicules légers sur cette parcelle 365. Et donc aujourd'hui, c'est de concrétiser donc ces confirmations et ces engagements, à savoir où il y avait un plan, je pense, qui était annexé au document, à savoir que le tracé, ça a été confirmé par le notaire, le tracé n'a pas de valeur contraignante et pourra être librement modifié par Hébert en fonction du projet d'aménagement qu'il pourrait y avoir sur cette parcelle. Donc, il y avait quatre conditions. Elles sont listées dans le document, dans le rapport.
quatre conditions pour cette demande d'échange de terrain. Voilà, donc vous voyez un plan qui a été fourni et ce plan pourrait être modifié en fonction d'aménagements qu'il pourrait y avoir sur un futur projet et notamment sur les travaux d'agrandissement et d'agrandissement et de mise en accessibilité du cinéma Laurent. Le toit, là, c'est le cinéma Laurent. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des questions ici ? Non, on passe au vôtre, Robert. Qui est contre à Roussillon ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Des contre ? Des abstentions ? Merci. Le point 12. Échange foncier avenue du lycée. Je pensais qu'on ne reverrait pas ce dossier, hein, puisque ça concerne le granit bleu, pour lequel nous en avons largement discuté et pour lequel nous avons pris une délibération le 19 octobre 2020 concernant ce dossier, cet échange de parcelles entre donc la SCI du granit bleu et la communauté de communes. Or, il s'avère que cet échange choisi est actuellement bloqué au motif du classement des deux parcelles d'Hébert dans le domaine public, alors qu'il s'agit de terrains en friche à l'intérieur d'un domaine clos non accessible au public. Donc ça, non mais je vous assure, donc ça a coincé au niveau juridique de la SDH, qui est partenaire pour la construction de ce bâtiment, qui nous a demandé donc bien de représenter une délibération pour pouvoir solder, je dirais, une bonne fois pour toutes cet échange de terrain. Voilà, donc proposer au Conseil communautaire le vote d'une seconde délibération, comme je viens de vous le dire, confirmant sa délibération non seulement du 19 octobre 2020 que nous avons pris, approuvant les termes de l'échange foncier avec la SEIS Granit Bleu, voilà. Et donc de dire que ces terrains sont bien sur le domaine privé de la communauté de communes. Et donc, que les chances puissent aller au bout. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, Roussillon. Merci. Question à Saint-Clair. On passe au vote. À Roussillon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Merci. À Saint-Clair, des contre ? Des abstentions ? Il n'y a plus qu'une. Merci. Le point 13, alors je vais peut-être laisser Serge, non ? Oui. Serge, tu es là. Je vais peut-être laisser ce point à Serge. Rappelez-vous, on l'avait évoqué le 23 novembre dernier et on l'avait donc décalé. Donc Serge. Voilà, oui, donc... L'idée, donc, c'était de désigner un délégué à l'association Alcali. Alcali étant une association de collectivités, un peu plus d'une centaine de communes, notamment dans l'axe de l'autoroute Lyon-Saint-Étienne, entre Givors, Mornan et autres, association qui essaye de préserver, de vérifier l'alternative aux décisions de l'État sur les infrastructures routières. À ce titre, donc nous étions deux candidats. Je me suis rapproché du président pour connaître un petit peu les attendus de cette association et il a convenu que nous pouvions nous présenter tous les deux, à savoir un délégué et un suppléant. Et donc nous étions Nathalie Morel, qui est présente donc à Roussillon, et moi-même candidat. Je vais laisser Nathalie statuer si elle le veut bien sur la suite de ce que nous avons décidé conjointement. Alors, Nathalie, on t'écoute.
Bonsoir. Donc voilà, je me présente parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Donc Nathalie Morel, à Sablon, enfin sablonnaise dans l'âme depuis mon plus jeune âge. Mon parcours un peu atypique, la primaire, collège, lycée dans la région. Des études de préparatrice en pharmacie, de la visite médicale pour finir chef de produit d'un laboratoire anglais en région parisienne. Paris, c'est bien, mais bon, le Rhône me manquait. Donc, en 92, je décide de revenir dans la région et je reprends l'entreprise familiale, qui est une entreprise de transport dans le travaux public. Donc, le contournement Lyon, les autoroutes, le tram, les autoroutes entre Lyon et Saint-Étienne, bon, c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 30 ans. Et donc, on s'est rencontrés, donc quand j'ai vu qu'il y avait une proposition de représentant délégué Hébert pour Alcali, c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellée. Voilà donc pourquoi je me suis proposée éventuellement à ce poste-là. Donc, on était deux, on s'est rencontrés avec M. Mercier, qui lui a rencontré effectivement le président d'Alcali, où on peut être deux, un titulaire, un suppléant. Et donc, quand on s'est rencontrés, bah, écoutez, voilà, Monsieur Mercier, qui a aussi de grandes compétences dans le transport et certainement plus que moi, on a décidé d'un commun accord qu'il serait le titulaire et que je serais la suppléante. Voilà, donc si vous le voulez bien, que ça se passe comme ça, c'est avec grand plaisir que j'apporterai mes compétences et mes connaissances dans ce domaine-là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Nathalie, et à savoir que vous pouvez y aller tous les deux. Voilà, donc vous covoiturerez. Bon, ça nous va bien. Vous êtes sûr qu'on ne désigne pas Robert Duranton ? Hein, Robert ? Un petit peu de transport. Non, je plaisante. Donc, nous avons donc Serge Mercier en titulaire et Nathalie en suppléante, mais à savoir que ça sera vraiment un partenariat et une implication à deux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Il faut quand même que je demande. Ne me dites pas qu'il y en a un troisième. Non, parfait. Eh bien, on peut passer au vote. Alors, à Roussillon, qui est contre cette proposition ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Merci. Ici à Saint-Clair, qui serait contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ben, merci à tous les deux pour nous représenter. Nous sommes arrivés à la fin de notre ordre du jour. J'aimerais, avant de terminer, donner la parole sur les partenaires régions concernant ce qui va se passer sur les tests. Donc, on va commencer peut-être par Roussillon, Robert. Alors, assez succinctement, les jours, comment vous êtes organisé pour les tests, les jours, l'endroit, les horaires. Alors, nous sommes en train de mettre en place ces tests et alors, pour ce qui est des jours, c'est le vendredi toute la journée. Le samedi 19, c'est le matin, de façon à ce que les laboratoires puissent faire les analyses l'après-midi. Et le lundi, toute la journée. Et là, ça se déroulera au sémaphore, juste à côté, qui sera mis à la disposition. Je n'ai pas plus d'informations parce qu'elles arrivent en ce moment au compte-gouttes. Merci. Gilles ? Eh bien, écoutez, en ce qui nous concerne, nous avions été sollicités, nous avons été sollicités par la région. On n'était pas du tout hostile au fait de pouvoir, bien entendu, mettre à disposition le foyer Laurent Bouvier, mais il se trouve que sur Salaise, la région a négocié un accord local avec un accord régional avec des grandes enseignes, dont a priori deux ont répondu favorablement. Si j'ai bien tout en mémoire, il s'agit de Auchan et de Carrefour. Et donc, du coup, Carrefour Salaise a répondu favorablement à la demande. La directrice de Carrefour Salaise a répondu favorablement à la demande de la région. Donc, nous sommes légitimement dit que sur l'agglomération, trouver les testeurs, ça allait poser peut-être un certain nombre de problèmes s'il y avait trois sites de tests. Donc,
on s'est un peu retiré de la course. Et effectivement, donc sur l'agglomération, il y a Roussillon et puis Carrefour qui seront des endroits où on pourra tester. C'est les mêmes mémoires, c'est les mêmes dates pour Roussillon. Donc nous, on est prêt à mettre du matériel à disposition, que ce soit pour les communes qui offrent la possibilité d'avoir des tests ou éventuellement de Carrefour. Je crois qu'ils ont, ils ont dû nous demander un marabout, des barrières et puis peut-être un chauffage. Donc on regarde ce qu'on a en stock et on participera de cette manière-là. Mais du coup, on n'est pas directement la commune impliquée sur ce sujet. Merci. Béatrice Moulin-Martin pour Beaurepaire. Oui, alors à Beaurepaire, on a le vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 13h. De prévu, normalement, on a 1600 tests au total de programmés, si ce n'est qu'on a un peu des difficultés pour trouver du personnel soignant, parce que sur chaque poste, il faut 4 personnes, 2 soignants et 2 administratifs bénévoles ou personnels. Donc, on coince un peu au niveau des soignants. Pour le moment, on n'a qu'une infirmière sur 2 jours et là, on fait le tour. D'accord. Donc, c'est compliqué. La région avait dit qu'elle proposerait des gens des centres de secours et a priori, c'est compliqué. Donc, on attend. Voilà. Olivier ? Oui, alors nous, on a organisé 3 postes de tests antigéniques. Hein, ce n'est pas des PCR comme à Roussillon. Le 18, le 19 et le 20 décembre, de 9h à midi, de 13h à 17h, sans rendez-vous. C'est dans notre espace Jean Fournet, là où on fait les vœux habituellement. On a trouvé tous les professionnels. Pour Beaurepaire, si je peux me permettre, le matin, c'est des pharmacies. Donc, on a la pharmacie de Saint-Clair-du-Rhône, celle des Roches-de-Condrieu qui va venir, et une de Saint-Maurice également. Et l'après-midi, c'est des infirmières libérales. Les infirmières libérales sont payées, elles vont percevoir 18 ou 19 euros par acte. Et comme elles peuvent en faire 40 par demi-journée, je pense que c'est là qu'il faut aller les chercher. Nous, il nous en manque encore une le dimanche après-midi, mais je ne suis pas trop inquiet sur les 3. J'ai demandé par contre de l'aide matérielle informatique à Hébert et qui m'a répondu favorablement. Et c'est tant mieux parce que c'est un peu lourd. Et il nous manque encore quelques bénévoles pour aider parce qu'il y a pas mal de postes à côté des professionnels. Je pense qu'on va terminer demain en conseil municipal à trouver les derniers. Sinon, je ferai un petit appel aux communes qui sont à côté. Voilà. Ça sera mercredi matin, Philippe. Donc, merci à vous de votre implication. Et puis, bon, je pense qu'il n'y aura pas de sous-sous pour les derniers ajustements. Nous avons terminé notre réunion. Moi, je voulais vous remercier pour déjà ce petit bout de chemin fait depuis le 10 juillet où vous avez fait acte de présence, où vous vous êtes impliqué dans vos dossiers, où j'ai pu compter sur vous. Et voilà, il y a des débats qui se sont mis en place et c'est ce qui est intéressant dans ce parcours d'élu communautaire. Alors, encore beaucoup de choses à venir. Hein. Je voulais surtout vous souhaiter de belles fêtes parce que je suis certain, je ne vous reverrai pas. Dans une dizaine de jours, on essaiera de combattre un peu cette morosité qui est ambiante sur cette fin d'année. Mais on va essayer voilà, de passer de belles fêtes tout en prenant bien soin de nous parce que c'est encore très compliqué en cette fin d'année. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie les services hein, parce qu'il faut rebondir, il faut s'adapter, il faut travailler différemment et ce n'est pas toujours facile. Donc, merci vraiment à vous de votre implication et puis belle fête de fin d'année. Et puis, tout de suite au 4 janvier. Hein, merci à vous. Entrez bien, bientôt. Allez, bonne soirée à tous.